Monsieur, moi je suis fatigué. Depuis que je suis en train de travailler, les autres sont là en train de rien faire. Moi je suis là depuis que je suis en train de travailler. Je suis fatigué. Je ne peux plus continuer. Je suis fatigué. Oh, bon sang, continue ton travail. Un petit garçon comme toi se plaint de la fatigue. Hein? Et qu'est-ce que les vieux en âge diront? Ils iront en congé? Aïe. Officier, pardon, peux-tu nous donner un petit temps du repos? Je veux dire, notre ami là, il est aussi comme nous. Est-ce qu'y a-t-il un mal qu'on a fait différemment? Pardon, je suis vraiment épuisé. Vous prenez plaisir en faisant ça. Et vous allez encore demander la soupe au poulet. Ok, d'accord. Je vous donne juste 15 minutes. Allez vous reposer, revenez au travail. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Il va rentrer. Non, allez, allez vous reposer. Les gens ont dit qu'on ne vous donne pas du congé depuis un moment. Il est sûr et certain que vous allez revenir ici. Faites vite là-bas et revenez travailler ici. Imaginez vraiment que ces gens m'ont accusé que je suis un assassin. Est-ce que moi là, est-ce que je peux tuer quelqu'un, hein? Regardez même ma face, regardez ma face. Parce qu'ils ont l'argent et que moi je n'ai pas d'argent. C'est comme ça qu'ils m'ont accusé que je suis un assassin. Je ne peux pas tuer quelqu'un, je ne peux pas tuer quelqu'un, je ne peux pas. Je ne peux pas tuer quelqu'un. Tu n'as pas un problème grave. Ta situation est vraiment un peu bien. Oh, mon frère, regarde-toi, ton histoire, pourquoi est-ce que tu es en train de dire que c'est plus que celui, Oui, mon celle frère. de Oui, l'autre? mon frère. Raconte-nous d'abord, c'est quoi ton histoire? Mon histoire. Au lieu de m'acheter un bon gari, voilà ce qu'il est allé m'acheter. Au lieu de m'acheter le blanc, mais il est allé m'acheter le jaune que moi, je déteste d'ailleurs. Effet, ton amour pour le gari ne s'arrêtera jamais. Oh, mes amis. Ah, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Je viens de t'appeler maintenant, là, mais le téléphone ne passe pas. Oh, vraiment. Tu vois cette vie, hein? Ça ne plaise pas à personne. Ce que je vous dis là est vrai. La vie n'est pas facile. Il y a les hauts et les bas. Il y a de ceux qui travaillent et ils se retrouvent. Et d'autres travaillent et ne se retrouvent pas. Je Je ne te comprends jure, pas. Je ne je te comprends jure. pas. Mes gars, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Vous dites que la vie n'est pas facile. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour Tu que nous vois, soyons raison aussi pour laquelle un je dis jour? qu'il faut laisser les choses et voir comment les choses évoluent. Hein? Mon Et ami, ça, tu peux c'est me la répondre à seule la question que chose. je viens Et de ça, c'est la poser, seule non? chose que nous pouvons dire maintenant. Mon cher, tu sais que tu ne maîtrises pas les choses. Le problème est que... C'est vraiment décevant. Je veux dire, vous êtes mes amis. Je ne sais pas comment je vais les dire. Tu es en train de nous troubler avec cette histoire, tu sais. Il faut l'éviter. Le problème est que notre ami vient d'arriver, il était sorti et il était allé Oui, pour solliciter l'inscription. l'inscription. Moi, ça ne me plaît pas, je ne comprends pas vraiment. Regarde tous les efforts. Regarde, tu nous avais bien enseigné, hein? Vraiment, ce n'est pas bien, non? Toi aussi, tu es notre nouveau professeur de maths, non? Il fait, mais vraiment, c'est toi qui m'enseignes les maths, non? C'est toi. C'est très décevant, oui. Ah, mais j'avais bien fait, non?
Je pose la question, je ne crois pas si j'ai fait l'erreur. Je ne comprends pas, c'était comment passé? Alors je n'ai pas fait l'inscription. Maintenant, ça va se passer comment, hein, mes chers amis? Dis-moi, ça va se passer comment? Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce qu'il y a un problème? Ça a marché! Qu'est-ce qui se passe, non? Qu'est-ce qui se passe? Je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe, non? Mon cher! On t'a eu! Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit de partir, mais ils n'ont pas voulu que je parte. Ils m'ont demandé de rester. Et moi, je m'étais dit de ne pas rester. Parce que je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Et je mon nom, c'était sur la dernière liste. J'ai réussi. Oui, mon cher. J'ai réussi. Ah, voilà, lui. Je vais m'en regarder. Ouais, moi, c'est là. Je suis quelqu'un. Oh, mon Dieu. Mes amis, je vais aller. Regardez. Attendez, écoutez d'abord. Mais ça me rend fou. Je suis joyeux, je suis content. Je remplis de joie. Merveilleux. Vraiment, mon Dieu, merci. Merci pour la réussite, merci. Mon frère. Écoute. Je veux commencer les études la semaine prochaine. Je vous dis vrai. Oui, je t'ai dit que... Je vous l'ai dit. Ça s'est passé. Écoute, laisse-moi te dire. Quand je vis ton nom, ingénieur, j'étais content. C'était magnifique. Vous savez, voir son nom. Papa. Ton nom. Et c'est que mon nom. Mais mon cher, alors, mon frère, tu vois comment tu tremblais. Tu tremblais pour rien. Je savais que c'était bien fait. Nous savons, non. Donc j'ai réussi. J'ai tremblé pour rien, mon cher. Mais je savais bien que mon nom serait affiché sur la liste. Je le savais. Donc, maintenant que tu le sais. Mais ça, c'est une affaire de depuis très longtemps. Mon cher, regarde. On s'est très bien senti. Et tu sais, d'ailleurs, la liste a été affichée juste sur le couloir. Écoute. Hein. Le frère de mon père, il n'y a personne qui a étudié. Comment ça? Ça, c'est l'honneur à ma mère. Mon frère, je suis tellement content. C'est comme ça que tu te comportes. Tu n'as même pas de respect. Et tu me voles devant moi. Hein? Pardon, prends. Tant mieux. Laissez-moi aussi la nourriture. Je suis là. C'est au bon moment que je suis arrivé. Tu es comment? C'est Marvin, bien. Comment tu vas? Tout va bien, oh. On est en train de manger les cabas ici. Papa? Combien de fois t'ai-je interdit de rester hors de la maison pendant longtemps? Voir l'air à laquelle tu es sorti. Et regarde quand tu rentres. Est-ce que c'est bien? Hein? Donc tu es allé chercher les filles, n'est-ce pas? Non, papa. Pas de problème, mais si je vous dis ce que j'ai comme information, vous serez content de moi. Parle-moi, non. Vous voyez, ce que je peux vous dire est que j'ai réussi mon admission. Ah bon? Je te remercie! Les filles. Voilà pourquoi vous avez cette mère. Allez étudier pour devenir un ingénieur. J'aurai un ingénieur. Remets-moi ça. Pourquoi tu n'aimes pas te respecter? Moi, je me réjouis et je vais prendre tout la journée pour toi-même. Tu veux terminer la viande? Lève ta main, pardon. Ne me cherche pas. Aussi de la viande. Remets la nourriture ici. Je mets ça par terre. Dans le calme. Et fais. Messieurs. Avec toutes les grandes études que tu veux faire, comment tu vas t'y prendre? Il n'y a rien de grave. Pour faire toutes les formalités et déposer les dossiers, ça peut me coûter 10 000. Seulement ça pour faire les dépôts et faire autre chose. C'est vrai? À part ça, juste une seule chose. Peu importe, tu vas faire, mais c'est la victoire. C'est ce que je viens de dire ici, qu'il y a seulement une beaucoup seule chose. Pourquoi, hein? Une unique chose mais seulement. Mais tu penses que j'ai cet argent? Il va trouver l'argent, quoi. Mon ami, laisse ce gars. Oublie ce qu'il dit. Peu importe l'argent que tu auras besoin. Je te crois, tu maman. Tu vas en trouver. Je te crois, oh. Je lave tes mains, viens manger. Je lave tes mains. Merci, maman. Ferme ta bouche, il mange. Je mange, maman. Bon, maman, commence d'abord avec ça. J'ai quoi ta parole, maman? Plusieurs milliers de naira. Oui, oh. Passe-moi de l'eau, je vais laver les mains. Papa. C'est quoi ton problème? Où est-ce que j'ai cette somme colossale? Papa Bena, tu vas où? Tu m'as même pas dit. Je vais voir mon ami dont l'enfant vient de l'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, la vraie Amérique. Il revient d'Amérique. Cela est important puisque le problème de ton enfant. Hein?
Ma chérie, essaye de t'apaiser. Tu sais très bien que je n'ai pas cette somme d'argent. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire maintenant, hein? Tu le feras, oh! Tout ce que tu pourras faire pour que mon fils aille à l'école, tu le feras, oh! Parce que mon fils doit étudier. Ah. Il ira à l'école et fait de étudier. C'est ce que tu as dit. Ok, c'est bon, d'accord. Accepte alors que je deviens un ritualiste pour l'argent. Si tu peux sortir des choses pareilles dans ta bouche, hein, ça doit s'éclater. Fais tout ce que tu peux faire, oh. Fais ce qu'un homme peut faire parce que mon fils là doit partir à l'école. S'il faut que tu ailles voir ton ami là d'Amérique pour te donner l'argent, je sais pas. S'il faut que tu trouves l'argent, je ne sais où. En tout cas, il faut le faire parce que mon fils doit partir à l'école. Ça, c'est le point final. Au lieu de me faire passer du temps en me disant des bêtises, laisse-moi aller les voir. Je me suis senti suffisamment riche quand ils m'ont donné cette audience à DFC pour que je puisse les rejoindre. Et s'ils me donnaient l'argent pour rentrer, en tout cas, ça sera des billets verts. Hein? Et une fois qu'ils me l'auront donné, je crois que ça va déjà contribuer à quelque chose avec le travail de notre frère. Donc, la façon dont tu parles, c'est comme si ce problème-là n'est pas important pour toi, c'est ça? Est-ce que ce n'est pas normal? Je dois prendre soin de moi-même avant que les personnes que j'aime... Peu importe ce que tu es en train de dire et parler, moi, ça m'est égal, je m'en fous. C'est que tu dois faire t'arranger, prendre des responsabilités comme un bon père. Le reste, là, je m'en fous. Pourquoi est-ce que tu es mère? Je ne veux plus me répéter, oh. Je ne veux plus me répéter, oh. Fais ce que tu as à faire. Je m'en fous, je ne me répète plus. Fais ce que tu dois faire. Fais ce qui est important, oh. Je ne peux qu'y aller. Je ne veux plus me répéter. C'est la seule chose que je puisse faire en ce moment pour résoudre les problèmes du fils. Même s'il me demande d'aller à l'océan, je vais y aller. Même si je dois aller à la ville, je dois partir. J'ai d'abord besoin de quelque chose qui va me rafraîchir, hein. N'est-ce pas? Je ne peux pas me tuer, oh. Ah, mon ami. Et si tu rencontres quelqu'un qui vient de le ravir comme ça? Tu crois que c'est un problème amusant? Je n'ai pas encore trouvé donc la personne. C'est maintenant comme ça que tu portes l'argent. Bon, je n'ai pas encore trouvé la personne. Tu vois cet argent. C'est l'argent dont j'ai besoin pour mes études. Mais ceci ne vient pas de mon père. Alors je patiente jusqu'à ce qu'on ne va trouver pour ajouter à celle-ci. Tu comprends? Je suis toujours dans la patience. Mais mon argent n'est pas encore prêt. Je te crois, Mina. Tu vois maintenant qu'il y a l'égalité, hein, mon cher? Laisse-moi ma part. Laisse-moi ma part. Ce sont les réalités de la vie que nous rencontrons. Alors, comment, Toby? Je viens de l'avoir juste en venant comme ça. Cette fille-là, c'est comme quelqu'un qui ne pique même pas le sol. Elle marche. Mon cher ami, c'est les choses que j'aime. Mon cher, laisse-moi te dire. L'homme est béni une fois pour toutes. Elle aime des gens comme ça. Ce n'est pas un problème. Et alors, moi, je vais dire quoi? Regarde un peu pour moi. Il faut que je parte chercher les frais scolaires. J'ai besoin d'étudier, mon cher. Tu comprends, mon cher? Je te comprends. Ok, merci. Pas de problème. Toi, tu parles comme ça? C'est toi le boss. Partons ensemble. C'est toi le boss. Tu peux même payer notre transport. Laisse-moi garder cet argent. Laisse-moi garder pour toi, non? Oui, je garde ça, je garde ça. Je cherche encore la partie qui reste pour ajouter. Au moment où je parle, s'il ne revient pas avec cet argent-là dans la maison, en tout cas, on ne va pas s'attendre. Je ne suis pas prête à continuer ainsi, oh. Je ne suis pas prête, oh. Ça ne peut pas continuer ainsi, oh. Mais maman, pourquoi vous pleurez? Moi, je ne pleure pas. Hein? C'est à moi de pleurer. Toi aussi, tu veux te mettre à pleurer maintenant. Arrêtez ça. Arrêtez, s'il vous plaît, maman. Bonjour, maman. Je suis là. Comment tu vas? Ça va bien, maman. Maman, c'est bon. Maman, j'ai eu 21 000. C'est l'argent que j'ai eu. On m'a donné pour acheter les habits et les chaussures pour commencer les études. Alors, moi, je vois que j'attends d'abord papa, que papa vienne pour m'ajouter de l'argent. Il m'a rien donné. Oh, Mika! Oh, Mika! Maman! Hey! Maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour avoir cet argent? Rien, oh! Rien, oh! Effet 30 000 nerfs à personne m'a donné!
30 000 naira, j'ai pas vu ça. Maman, moi je vois que je garde d'abord cet argent et on va chercher d'autres petit à petit pour ajouter. J'ai besoin d'avoir tout ce qu'on a demandé, y compris les frais scolaires pour étudier. Mais maman, ce n'est pas aussi... Maman a dit quoi, hein? C'est toi qui as ramené ça. Regarde, il faut apprendre à fermer ta bouche, sinon tu auras ces... Je vais te gifler, hein? Moi je parle, toi tu parles. Hein? Maman, pourquoi tu parles en colère comme ça? Ne t'occupe pas d'elle, une petite fille qui aime, c'est m'a beaucoup parlé, pour ne rien dire d'important. Maman, quel que soit le problème, ne vous en faites pas. On va toujours garder cet argent. Je ne peux pas avoir peur encore. Attendons seulement l'arrivée de papa, comme ça elle va compléter ce qui reste. Ne te dérange pas, tout va s'arranger, hein? T'en fais pas. Je pars d'abord garder ceci en attendant l'arrivée de papa, hein maman? Toi cet enfant, pourquoi tu es comme ça, oh? Au lieu de travailler, tu ne veux pas. Toi, tu ne sais pas qu'on n'a pas d'argent. Hein? Maman, tout ce que vous faites là, rien ne me plaît. Moi, j'ai besoin de partir à l'école. J'ai besoin d'aller à l'école, maman. J'ai besoin de frais scolaires. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Moi, j'ai besoin d'aller à l'école, maman. Oh! Est-ce que moi, j'ai été partie à l'école, hein? Et tu pars dire à Dès que je m'en fous? Regarde, moi, je te dis maintenant, je vais te faire comprendre que quand tu vas chauffer dans ta vie et que le tout devient réalité, quand tu vas commencer à me voir à un autre niveau. Je ne suis pas prête à mourir, mais si votre papa n'amène pas l'argent dans cette maison aujourd'hui, pour ses problèmes, je vais mourir. Maman. Ne m'appelle pas maman. Que je me teste tandis que mon fils a eu son admission, il n'ira pas à l'école. Il faut que mon fils parte à l'école. Ça ne me plaît pas, maman. Ça ne me plaît pas, maman. Arrêtez de pleurer, maman. Arrêtez, maman, s'il vous plaît. Arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. Par rapport à cette situation, nous savons très bien que les choses sont beaucoup trop difficiles pour, surtout pour atteindre ce montant. Hein? Vous voulez que j'aille voler? Et je n'aime pas la façon dont tu parles parce qu'il faut se battre. Je ne vais pas non plus dire beaucoup de choses. J'ai seulement besoin d'argent pour l'école de mon fils. C'est toi qu'on attendait pour parler. Là où j'étais allé, j'ai trouvé seulement 50. Alors si vous m'ajoutez seulement 60 000, toute chose ira mieux. Pensez-vous être sage? 60 000? Pour réunir toute cette somme, c'est 60 000. 60 000? Et tu dis juste 60 000? Tu es en fou, toi. Si donc on payait ces 6 000 là, tout est fini, hein? On va rester qu'avec... oui. Juste de petits tricks, hein? Oui, on va faire. D'ailleurs, vous n'allez pas gaspiller beaucoup d'argent. Au moins des petites choses. J'ai absolument tout vu dans ma vie. Hey, vraiment. Onyema, j'ai entendu tout ce que vous avez raconté ici. Je vais pas lire à ça demain. Je vous ai entendu. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci. Je suis ravi. Hey. Hey. Oh. Et toi là, qu'est-ce que tu attends? Mon Dieu. Mais va m'apporter de la nourriture, non? Hein? Papa, il n'y a pas la nourriture. Tu dis quoi? Il n'y a pas la nourriture. Il n'y a rien de ce que tu demandes, non? Tu vois pas comment nous tous nous sommes assis ici. Donc c'est parce qu'une personne doit aller à l'école, donc je dois me donner la mort, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir, oh. Toi donne-moi juste l'argent, tu verras que j'irai au marché pour préparer. Pour la maison, non? Penses-tu que j'ai eu de l'argent? Hein? Hé! Hey, où tu vas trouver l'argent? C'est pas toi l'homme de la maison. Tu es cette femme que j'ai mariée. Alors il est de ton devoir d'aller dans la cuisine et m'apporter de la nourriture. Moi je n'ai aucun endroit où je peux trouver l'argent. C'est à toi l'homme de chercher l'argent, me donner et puis moi je vais préparer, c'est ça. Alors tu sais, donne-moi de l'argent. J'irai au marché pour te donner à manger. Donc tu veux dire que si je n'ai pas d'argent, tu ne me donneras pas à manger? Va me donner la nourriture. Je n'ai pas envie de faire ce genre de discussion. Je ne suis pas dans ce que les gens parlent, pardon. Donne-moi l'argent et puis j'irai au marché pour donner à manger. Il faut chercher aussi, tu parles chercher, tu penses que ça serait grave. Mon fils est fait. Regarde un peu l'argent que tu gardes là. Apporte-moi un peu, je veux m'acquitter ici.
Vous voulez que je vous donne d'abord une partie de cet argent? Maman, je pars continuer à faire la lessive. Je suis parti, vas-y. Papa, parce que c'est toi qu'on attendait pour régler la situation. Oui, va-t'en, va-t'en. Tu es inutile, espèce de fou. Regarde-toi. Va me chercher la nourriture. Il n'y a pas la nourriture, non? C'est quoi le problème avec vous? Donc tu veux que je me déplace d'ici pour aller à la cuisine, n'est-ce pas? Oh, je suis là. Ah, le temps va vite. Ma soeur, où est-ce que papa était allé? Il a pris beaucoup de temps, maman. Maman, moi je dois aller chercher cet argent nous-mêmes, au lieu d'attendre jusqu'à ce que papa vienne avec maman. Ne te dérange pas, il viendra avec, hein? Ça viendra. Bonjour. Sois le bienvenu. La femme des beautés, ma femme, mon cœur, celle que j'ai choisie. Mon fils est fait. Papa? Regarde, tu es mon vrai fils, mon unique fils. Je t'ai souhaité toujours le meilleur. Je sais, c'est ce que je leur ai dit ici. Ils s'inquiétaient. Ah, il faut vraiment bouger tes poches, hein, parce que nous attendons ici. Je dois faire quelque chose qui est vraiment important. Il est mieux de faire que de parler. Bien. Je n'ai pas pu trouver l'argent. Tu dis quoi? Non, qu'est-ce que tu as sorti dans ta bouche maintenant là même? C'est vrai que je n'ai pas pu trouver l'argent. Mais j'ai quelque chose mieux que les études. Et tu vois, pendant que je frappais de porte à porte pour trouver de l'argent, contactant d'une personne à l'autre, j'ai rencontré un homme, un honorable, qui a un bon cœur. Il a un très grand magasin riche. Et nous avons échangé, puis il a accepté de prendre effet comme son travailleur. Hein? Pourquoi est-ce que tu sais, hein? Tu vas aller perdre plus de 20 ans là. Papa. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les études que tu veux. Tu iras d'études en études. Même si tu vas à cette école ou l'autre là, tu au final... Papa, laisse de me parler, ça c'est quoi? Arrête de dire de n'importe quoi. Papa. Hein? Oui. Écoute papa, tout ce que tu dis là, ce n'est pas entré dans mes oreilles. Ce que tu me dis là, c'est vrai, cette année je ne vais pas étudier. Pourquoi? N'essaye pas de déformer ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. Ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que tu puisses aller apprendre... Et tu n'as pas honte. Tu n'as même pas honte. Donc toi, la honte ne te connaît même pas. À cause d'un petit 60 000 naira et tu ouvres ta bouche. N'importe comment et vomir des bêtises dans ta bouche. Fou. Tu me traites de fou. Tu es fou. Tu n'es pas normal. Tu ressembles à un soulard. Tu n'es pas normal. Je suis fou. Tu n'es pas normal. Tu me traites mes noms de fou. Mon ami, je vais encore te dire ça. Tu es un fou. Je n'ai jamais vu un papa comme ça qui abandonne ses responsabilités. Je vais te frapper. Oh non. Tu irais comme une chèvre. À qui? Oh. Tu vas t'agenouiller. Ah pardon, Beg, arrête avec tes bruits. Oh Beg, tu es un fou, ferme là. Je vais pas la faire. Si ce n'était pas pour l'argent que tu m'avais emprunté, mon fils maintenant là, il serait déjà parti depuis longtemps pour l'université. Hey! Vous pouvez imaginer, un homme qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Oh, de quelle responsabilité tu me parles? J'ai mis au monde deux enfants, un garçon et une fille. Ne sont-ils pas sous ma responsabilité? Oh, quand tu es là, mettra au monde, tu ne sais pas comment les éduquer. Tu n'arrives même pas à prendre soin d'eux. Et à quoi sert la mère que tu es pour eux? N'es-tu pas leur maman? Ne peux-tu pas faire le champ? C'est vrai? Hey! Mais papa, si tu n'as pas trouvé l'argent, va demander à tes frères. Va t'y demander de l'aide. Surtout toi, je risque d'être giflé. Ne touche pas ma fille, oh! Ne réveille pas les démons qui dorment. J'irai alors chercher ailleurs. Démon vivant, j'irai jamais, alors jamais demander à mon petit frère de l'argent. Suis-je un fou? Je ne peux pas. Ça, jamais. La fierté! Tu te sens fier! Tu es fier! N'est-ce pas si ce n'est pas moi? Pour un simple montant de 6 000, tu n'arrives pas à donner. J'aimerais bien... Abeg, relève tous ces bruits-là. Quel mari? Je vais te mettre... N'ose même pas essayer ces bêtises-là parce que tu n'arrives pas à faire ce qui est normal. N'ose pas. Dis aussi, je ne peux pas demander à mon frère. Petit frère. Mais tu ne t'es jamais fatigué de son assistance.
Il fallait aussi refuser. C'est aujourd'hui que tu trouves que tu ne veux pas te rabaisser. Je pense que c'est suffisant. Alors fais attention. Abed, laisse-moi ça. J'ai l'intention de te faire du mal. Qui es-tu? Hein? Je dis ceci. Oui. Je dis ceci. Rappelle-toi, la fois où je t'avais dit que tu seras ma femme, être un homme ou pas n'est pas ça le problème, d'accord? Mais le fait que tu sois ma femme, je suis ton mari. Tu as compris? Ah papa, je dis ceci, je vais aller à l'école. L'école est très importante. Regarde mes amis, ils s'en trouvent de l'argent. Ils s'en trouvent de l'argent et moi je n'en trouve rien. C'est seulement ma petite soeur qui fait pour moi. L'éducation est très importante, je ne veux pas rater cette opportunité. Non, mais ferme ta bouche, hein? Ferme-la. Au moins est fait. Laisse tes amis, hein? Laisse-les là-bas tranquilles. Nous ne sommes jamais le même dans ce monde. Chacun d'entre nous a sa propre destinée. Et tu comprends, ce n'est pas la peine de te faire des soucis. Si tu finis avec cette petite formation, tu auras beaucoup d'argent. Oh. Il y a plusieurs études à faire. D'autres sont gradués en ceci, oh. Gradués en économie, gradués en cette faculté, gradués en une autre. Ne t'en fais pas, mon fils. Ok, d'accord. Laissez-moi aller voir mon petit frère. J'arrive, d'accord? À monter, du coup. J'arrive. Tu vas où? Pose-toi la question. Cet homme! Hey! Maman, le temps passe, ne me blâmez pas. Le temps passe, ne me blâmez pas. Tu veux me blâmer pour moi? Maman, de tous les hommes qui passent, tu n'as pas trouvé un. Bon, tu pars marier celui-ci qui est mon papa. Je savais. Et je savais que je vais finir de cette façon. Je savais pas, non? Hein? Mon frère, tu ne fais que t'inquiéter. Je crois que tu dois arrêter avec ça. C'est que ta soeur s'est réglé la situation et me laisser aller étudier. Maman, moi je refuse. Ce que papa me dit, moi je refuse de le faire. Mon fils, sois calme. Il se bat seulement pour prendre soin de vous. Tu dois être patient. Je souhaite que ce soit comme ça, maman. Qu'est-ce que je vais faire alors? Oh! Maman, moi je connais ce qu'il peut faire. S'il trouve l'argent, il change les idées pour aller chercher autre chose. Je ne vais pas. Trouvez-moi l'argent, pardon. Maman. L'argent devient loin de moi. L'argent a disparu. J'ai épousé un homme inutile. Il est là à attendre comme une personne inutile. Il attend comme un fou. L'argent. Effé. Ah ah. Mon cher, mais qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant sous le soleil comme ça? Avec ce pain et de l'eau. Comment vas-tu? Mais on te parle, tu ne réponds pas, tu restes silencieux, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? Dis-moi un peu, c'est quoi le problème? Quand vous me regardez comme ça, j'ai l'air d'être en bon état. Mais nous sommes là, non? C'est pourquoi nous demandons? C'est toujours mon père qui me met dans cet état. Il a dit qu'il n'y a pas d'admission parce qu'il ne m'a pas donné l'argent. À part les petits moyens donc que j'ai trouvé chez Mamalé. Ah, et on a appris qu'on va fermer toutes les portes dans 2 jours, vraiment. Et nous devons partir déjà demain matin. C'est quoi ça ce que vous me dites encore, non? C'est quoi ça encore privé, clôturé dans 2 jours? Mon cher, tu peux causer avec mon père en ma faveur. Pardon, fais-les. S'il te plaît, Effie, calme-toi. Tu trouveras une solution pour tes études, non? Le problème est que nous avons quand même besoin de t'emprunter un peu d'argent. Demain, la première, nous avons besoin de 8000 naira. Oui. Nous allons y rembourser. C'est vrai. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est vrai? Pour de vrai, réunis juste cet argent. Attends d'abord, mon cher, calme-toi. Dis-moi un peu la vérité. Si je trouve 8000, est-ce que ça peut aller? Si tu as ces 8000 naira, même si tu peux prendre chez quelqu'un, nous allons ajouter. C'est une urgence, non? Tu vois? Maintenant, ça va se passer comment avec les 2000 qui manquent, non? Jusqu'à présent, je vous dis que mon argent n'est pas au grand complet. Nous savons bien, nous sommes écoutez, au courant écoutez, de ça. Voilà. Je vais garder l'argent des tickets. Même Amalé va témoigner, je ne vois aucune raison oui, de rester. C'est ça, tu dois faire, c'est d'être prêt déjà demain matin, tu comprends? Pour que nous puissions déjà y aller. Peut-être je peux encore aller le voir pour... Même Amalé, quand elle va entendre que je suis parti, elle sera contente de sa contribution. Elle sera contente de moi. Mais alors, à ce qui concerne les transports, c'est comment? Ah ah, Effé. Bonjour maman. Mon cher, tu es à quel niveau maintenant? Maman, c'est difficile vraiment à comprendre. Les amis sont venus ici et ils m'ont dit que les cours commencent demain. Et puisqu'ils ont dit que la clôture c'est demain, ils m'ont dit d'apprêter l'argent de transport. Le reste d'argent de frais, ils vont compléter. Ils vont le faire pour moi. Que Dieu les bénisse. Regarde, je voulais juste t'ajouter ça. Maman, que Dieu te bénisse. Lève-toi. Merci, maman. Ah, depuis, ton père n'est pas encore revenu. C'est un menteur. Menteur. C'est depuis matin qu'il est parti, jusqu'alors il n'est pas encore rentré. Maman, c'est pas que nous entendons papa. Qu'on attend toi, papa, maman. Ah. Ok.
Attendons voir que ton père revienne d'abord. Maman, comme ça on part ensemble, non, pour que... Ne te dérange pas, toi attends seulement, il va revenir. Si on te donne ça seulement, tu m'attends, moi j'arrive. Allez, on y va, on y va. Ça, maman. Oh, yeah? Pas de problème, si vous ne venez pas, moi je vais manger. C'est pas un problème, on arrive. Oh. Il faut que je trouve l'argent, il faut que je trouve l'argent. Pour moi, je peux aller chercher même quelqu'un pour vendre cette maison. Hein? Ça c'est quoi? Oh mon Dieu, mon Dieu! Sambaré? Ça c'est quoi ça? Sambaré? Ici c'est chez le petit frère que tu as dit que tu partais. Et quand tu vas rentrer, tu diras que tu n'as même pas eu un sou pour que notre enfant puisse partir à l'école, c'est ça? Et tu es assis ici en train de manger et se relaxer, hein? Oh, gâteau, Boré. Tu sais, ne pas à l'école et tu viens manger ici tout le jour, vraiment. Hey! Ma soeur, mets-moi cette musique, comme ça nous allons danser. Ce n'est pas bien pour ton âge, non? Tu dois aussi faire des très bonnes choses. Donc, c'est parce que je n'ai pas d'argent que je dois me tuer à cause des études de mon fils. Tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Tu vas pas te tuer. Tu vas te tuer. Laisse cette assiette. Dépose cette assiette de soupe avant que je te donne un coup de tête. Dépose cette assiette de soupe. Tu n'as pas écouté. Tu es intelligent, c'est ça? Non, laisse-le. Le temps que je finisse avec toi ici, tu seras déjà mort. Papa, donne-moi. Je vais tuer cet homme aujourd'hui. Tu penses que tu es intelligent? Tu vois cette bouche? Je vais appuyer ça jusqu'au point que tu ne vas plus prendre cette pépé soupe. Tu ne vas plus commencer à prendre ça. Tu aimes trop manger. Tu aimes trop manger. Méchant. Hey! 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 J'ai vu ma part. Vous m'aviez vu? Je n'ai jamais été décis avant. Oh. Tout l'argent que je faisais avec les affaires, je ramenais à la maison et je le donnais à cet homme. Aujourd'hui, cet homme ne voit pas. Maintenant, je ne suis pas riche. Oh. Je suis fini. Je ne sais plus quoi faire. Mon fils va à l'université, je n'arrive pas à financer ses études. Pourquoi? Parce que je ne trouve pas l'argent. Quand j'avais mon argent, j'ai acheté les baissés pour un homme. L'argent et les baissés que je ne voyais pas. Je ne voyais pas quand il achetait ces choses. Avant que les baissés puissent me dire qu'on l'a volé. Maintenant, je n'ai pas l'argent pour financer l'école de mon fils. Est-ce que je vois l'argent encore pour payer les études? Je vous dis, je vais mal. Votre papa va mourir à cet instant. Je vais mourir pour lui parce qu'il m'a déjà tué. Maman, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça, maman? Mon frère. Mon frère. Tu ne dis rien, oh, tu ne dis rien. C'est quoi avec papa? Ne pleure pas, c'est fini. Cet homme m'a tué. Il m'a tué. Cet homme m'a tué. Ha. Ok. Et maintenant, pour que mon fils parte à l'école, c'est impossible. Là, ça ne va pas marcher. Il faut que je meure. Oh. Comme je suis en ville, il va être idiot. Oh. À cause de l'argent. Ok. Brice. Personne ne connaît ce que je vais te dire maintenant. Mais je n'ai pas le choix. Laisse-moi te dire. Ma soeur, je t'écoute. C'est quoi? Parle.
cet argent que nous sommes en train de chercher, je l'ai chez une personne. Par le nom, dis-moi le nom de la personne ou saute là où il est, comme ça je pars prendre l'argent. Il me demande ton argent presque tous les jours. Eh ben, si tu me permets, j'irai prendre ça. Alors, tu dis que les gars qui t'a proposé, j'espère bien qu'il n'a pas encore touché ces histoires. Non, tout est intact, t'inquiète. Je ne pense pas que vous vous êtes arrangé pour que je ne puisse pas s'échapper avec celui que vous appelez, je sais pas moi, c'est papa. C'est inutile, papa. D'ailleurs, je ne sais pas, il faut les vendre. Parce qu'il n'y a rien d'important, cet homme inutile nous amène. Maman. Tu vas où? Je reviens. Je dis où tu vas et tu vas aller chez qui? Laisse-la, maman. Elle descend quelque part, après elle va revenir. Hein? J'avais dit que vous avez fait un plan. Ah, maman, depuis que tu dormais, c'est quoi, oh? Oh, maman. Effet, ta soeur est déjà de retour. Ne te dérange pas, maman. Elle a dit qu'elle va venir. Nous l'attendons seulement. Elle viendra. Bon après-midi. Ma chère, comment tu vas? S'il vous plaît, c'est la personne de M. Terrell. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commis un autre délit? Non. Je le connais bien parce qu'il n'en manque pas. Il a encore commis un autre délit? Non, 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 maman. Je suis présentement là pour votre fille. C'est la raison pour laquelle je suis. Tu dis quoi? Hello, ma soeur. C'est quoi le problème? Dis-moi, problème. Elle a été tamponnée par une voiture. Tu dis quoi? Elle est dans quel hôpital? Attends. Partons. Attends. Attends-moi. Qu'est-ce que t'as dit? Ça va, ma chérie? Maintenant, la douleur a baissé. Ça va? C'est pas ta faute. Je t'avais dit ça, non? C'est ton papa qui est l'auteur de tout ça. Oh? Ça va, oh? De tout ce que je puis apprendre depuis que je suis né. Tout revient sur ma tête maintenant. Quand ce bien c'est à maman. Et quand ce mal c'est au papa. C'est bien. Mais ce n'est pas bien de se comporter comme ça. Il est toujours conseillé à un petit enfant de regarder les deux sens avant de traverser une route. Favori. Avec toi, c'est le plus grand regret que je n'ai jamais eu dans cette vie. Favori. Je regrette de t'avoir épousé et toi, tu es le plus grand erreur que j'ai fait dans ma vie. T'avoir épousé, je regrette. Tu es calme, tu ne peux plus sortir des bêtises que tu sors dans ta bouche là. Sache que je suis ton mari et je le resterai toujours. Tu n'as pas honte. La vérité est que vraiment, tu n'as jamais eu honte. Tel que tu es là à faire des grimaces, mon merveilleux fils là que tu vois. C'est lui que j'ai porté 9 mois et j'ai enfanté. Ce garçon a un cœur que tu n'en as pas, oh. Il a pris 20 000 naira pour payer l'hôpital de sa sœur. Et tu es ici à dire des bêtises que tu sors de ta bouche. T'en fais pas, je vais en trouver. Maman, il n'y a rien de grave à s'inquiéter. En plus, remercions Dieu comme elle n'est pas morte. Bientôt là, elle sera guérie. Alors, j'ai quelque chose à vous dire, surtout vous deux, j'aimerais que vous m'apprêtez l'oreille. Tous ces problèmes qui nous divisent, qui nous troublent, il faut les rejeter. Je ne vois plus étudier encore. Il y a un rêve que j'ai rêvé. Hey! J'ai rêvé que tu es morte. Outrage! Et nous sommes restés seulement avec papa. Et alors... Outrage! Et tu étais ensemble avec quelques veuves, tu leur disais que mon mari n'est pas mort. Et tu ne souhaitais pas qu'on te dise que ton mari est mort. Hey!
Je me... Oh mon Dieu! Bon sommeil, ma soeur. Elle est là. Désolée. Désolée, oh? Tu te retrouves dans cette situation parce que papa a refusé de me donner les frais scolaires. Et toi aussi, tu es là en train de cautionner toutes les bêtises que tes enfants disent. Ils sont vraiment insensés. C'est toi qui es inutile. Tu es en train de parler seulement à l'enfant. Tu n'as même pas honte. Tu allais mourir, non? Hein? Oui, non? Donc, toi et tes enfants, vous collaborez? Hein? Pour me tuer. Alors, j'aimerais que vous ouvriez vos grands yeux pour regarder ma vie maintenant. Tu veux seulement faire des grammes, tandis que tu es inutile, toi, là. Tu es un vaurien. Une personne inutile. Parce qu'en te regardant, hein, tu es encore fort, tu ne peux pas mourir. Des personnes en bonne santé ne se suicident pas. Mais il en est de mon devoir. Quel devoir, hein? Oublie tout ça. Quelle performance. Tu es là en train de parler tandis que ta fille est ici, elle allait mourir. Mais tu parles pour dire des bêtises dans ta bouche. Quel devoir que tu accomplis normalement? Aucun de tes devoirs, tu le prends au sérieux. Tu ne prendras jamais ma place de l'homme. Regarde-le. Même si je n'y arrive pas, ne t'en fais pas, tu resteras femme. Quelle est cette personne ici? Tu te rappelles encore de la dernière fois où toi tu avais touché un corps? Le corps est différent, non? Quand on cite des personnes qui ont un beau corps, on te cite aussi. Toi, tu as un corps, toi. N'est-ce pas? C'est ce que tu crois. Comment les choses se passent. Abeg, arrête tous ces bruits-là, laisse-moi tranquille. Oh, regarde-moi cette fille. Hé, hey, mon frère, ça fait un bail, hein? Oh, comment ça va? Regarde-toi, tu parais comme... Non, est-ce qu'il fait effet là? Non, il n'est pas là, ça fait un moment. Il était allé chez la grand-mère au marché. Oh, bien, bon. On a essayé de le trouver, mais son numéro n'est pas disponible. Oui, il avait perdu son téléphone, c'est pourquoi il avait décidé de changer. Je vais vous donner Okay. Mais avant que tu puisses me donner l'adresse, donne-moi d'abord le numéro qu'il utilise ces derniers temps. 080. 080. Monsieur, la façon dont vous découpez la viande, c'est ah, dis seulement que tu refuses de m'acheter. Regarde la viande que tu refuses à 500. Le prix est plus élevé que le morceau. Ce n'est pas la viande du porc, c'est la vache. Essaye quand même d'augmenter la viande. Comme ça, je... Dis-moi alors, on fait quoi? Tu veux que je coupe comment? Que je laisse comme ça? Oui, mettez ça. Ajoutez quand même un peu. Ajoutez un peu. Je suis votre client fidèle. Notre ami, il est là vraiment. Ça, c'est mon pote, mon cher. Il est là en forme. Laisse-moi d'abord te voir de près. Mon cher ami, je suis content de vous. Oh, non, mais mes sources, mon cher ami, je me souviens de plus de choses. Regarde ce que je n'ai pas fait. Mes amis, vous me manquez, je suis content de vous. Mes amis. Vous avez pensé à moi aujourd'hui. Merci de votre visite. Je suis vraiment content et flatté, mes frères. C'est comment? Regarde. Je pars avec mes deux amis. Je pars avec mes deux frères. Si je peux venir après. Content vraiment de vous voir. Tu sais bien le prix de la viande. Tu sais, non? Tu peux la vendre à 5, ça pas moins de 5. Vite, on va avoir revenir. Attendez. J'ai oublié quelque chose. Attendez. Regarde, fais attention avec l'argent. Allons-y. Mes amis, ça s'est passé de cette façon. Dieu merci, ma soeur a été victime. Mon frère, nous sommes vraiment désolés. Tu ne pourras pas aider quand tu en avais besoin. Tu sais, non? Ce n'est pas un problème. C'est déjà passé. Non, ne vous dérangez pas. Oui, mon cher, on est vraiment une famille, non? Regarde, tu peux encore essayer l'année prochaine, non? Mon cher, on est là pour toi. Oui, on trouvera de l'argent. On est là pour toi, mon cher. La vérité est que je ne sais pas encore si je vais étudier. Effet, qu'est-ce que ce garçon est en train de dire? L'argent que j'ai gardé pour les études, c'est ce qu'on a dépensé pour les soins de ma sœur.
Excusez-moi. En tout cas, je ne crois pas. La situation nous a un peu compliquée. Excusez-moi. Allô bébé, comment ça va? Je vais bien, 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 bien. Comment ça va toi? Oui, ça va bien. Dis-moi, où es-tu? Je suis à la maison. Mes amis sont venus me voir, Pierre et Toby. Ah, ok. Comment ils vont tous là-bas? Oh, c'est bien, c'est bien. Viens alors, tu vas me trouver. Je suis dans la chambre. Ne viens pas me vider, apporte-moi quelque chose. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça va. Ça, c'est grave. Non, attends, attends, attends. Effie, tu as maintenant une fille. Ah. Oh, tu as une femme? Mes amis, l'amour est bon. Ah, mon cher, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, mon frère. Écoutez, mes amis, je vais vous dire ceci. Hein? Mes amis, cette vie est vraiment meilleure, très bonne, parfaite. C'est presque tout. Il y a de ces choses que je peux vous dire que c'est rien. Ces bébés-là, étudiants de l'université, en GD, elle a une belle forme. Mon frère, calme-toi vraiment. Je dois voir tout son corps, comme ça je vais moi-même donner une correction. Mes amis, croyez-moi, je vous dis la vérité. Il n'y a pas de problème, on attend. Vous la verrez lentement, vous la verrez. Oh, bébé, tu es là déjà. Comment ça va? Je vais bien. Je dois voir ceci avec mes yeux naturels. Ah, les deux sont mes amis. Oh. Je te présente les deux. C'est mon vrai ami. Salut. Merci. Mes amis, regardez ce que je vous disais. Oh, ah, bébé. Vous voyez la forme? Hey, oui, c'est moi. Mon cher, sois à l'aise, hein, sois à l'aise. Oui. Premièrement, je voudrais commencer par m'excuser. Bien. Parce qu'on t'a vraiment dérangé, oui. Mon frère, on est vraiment désolé. D'avoir douté. Oui. Maman, tu as une beauté extraordinaire. Parfait. Tu es une bombe. Merci. S'il te plaît, ne le blesse pas, oh. Quand quelque chose l'affecte, ça nous affecte aussi. Et quand ça nous affecte, c'est de même pour lui. C'est mon sang. Il est comme un c'est ça, mes amis. Et si quelque chose te dérange, alors ça nous dérange également. Oh, c'est bien. Vous êtes très compréhensif, n'est-ce pas? Oh non. Peu importe, il est une très bonne personne. Vraiment. Il avait suivi mes études lorsque j'avais vu que tout était arrivé au bout. Dites-moi, vous avez combien déjà de temps ensemble, oh? C'est une longue histoire, même si je n'ai pas étudié. Mais dis-moi, ma chérie, étudie et elle part tous les jours. Présentement, alors, sortons. Tu vois, n'est-ce pas? Prenons la mignonne femme et elle est tellement intéressante. C'est vrai? Chérie, ils sont toujours comme ça, ses amis. Je prends tout en charge. C'est toi le boss. Oui, je prends tout en charge. Ok, moi je vais prendre la charge de vous deux. D'accord. Attendez que je vous montre. Je prends tout. Pas lui. Non, laissez-le. Je prends tout. En tout cas, ah mon cher, félicitations papa. Quelque chose de meilleur, je te jure. Attendez. Maintenant, je vais vous poser une question. Restez ici. Attendez. Et écoutez cette question. Quelles sont tes intentions avec cette fille? Non mais attendez. C'est une question très importante. Attends, sois calme. Mais quand je te disais, tu étais surpris? C'est pour le mariage. Ça dépend de son caractère. Je n'arrive pas à comprendre ta question. Je ne la comprends pas. Non, ne me dites pas que vous ne comprenez pas. J'ai mes raisons. Ce genre de question. Hein? J'ai vraiment mes raisons. Écoutez-moi très bien. Regarde, si tu n'as pas de bonnes intentions pour cette fille, alors dis-nous maintenant. Hey. Hein? Nous sommes des frères. Ah! Je viens de vous dire que c'est pour le mariage. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Je ne vous comprends pas, mes chers amis. Dis-moi tes intentions. Écoutez, les amis, je viens de vous dire mon intention à propos de cette fille. Elle me convient pour le mariage, vous comprenez? Pour votre information, je me prépare déjà. Après seulement ses études, nous allons entamer la procédure du mariage. Vous comprenez? Pour ça, ne vous inquiétez de rien. Vous comprenez? Ah, tu es sûr? Écoutez, dégagez-nous de cette histoire. Mettons cette histoire de côté. Mon cher, c'est comment? Quand est-ce que toi aussi tu auras la fiancée? Toi, je te connais bien, mon cher. Pourquoi encore demain? Toi, tu crois que demain, nous aurons encore la chance de nous rencontrer? Hein? Tu sais très bien les exigences avec l'école. Là. Nous sommes juste venus te rendre visite. On reviendra. Jamais. Hein? On est juste venus te voir. Je viens te rendre visite comme non, ça. Non, ne faites pas comme ça, mes chers amis. Ce n'est pas vraiment. Non, mais pauvre, je n'accepte pas. Mon cher, pourquoi vous me faites ceci? Ce qui m'importe, c'est son caractère. Quelques mois après, je vais déjà commencer à m'arranger. Mieux encore pour faire des massages. Ah. Tu sais, je ne peux pas croire que tu veux qu'elle aventurier comme ça, en tout cas. C'était
c'est très comique de parler à Non, mon cher, c'est du mensonge. Tu as fabriqué des choses. Non, c'est du mensonge. Je suis content. Écoute, hein, toutefois, je ne me confie pas à toi parce que je sais que tu n'es pas sûr. Tu fabriques certaines choses qui ne sont pas vraies. J'ai peur de toi. Mes amis, je crois que prochainement, je verrai comment aller voir aussi ma petite amie. Vous comprenez? Ah, vraiment, tu es intéressant. Mon cher. Vraiment. Toi, tu n'es pas sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment sur son caractère et c'est fini. J'estime vraiment ça. Ce n'est pas pour faire autre chose, non. Vous voyez, il y a des choses que font certaines personnes. Ils tourmentent en faisant des vilains. Avec des passes comme ça, comme s'ils cherchaient à marquer un but. Moi, je ne peux pas les faire. Mon cher, laisse te dire ça. Regarde, écoute, je devrais. Si il ne veut seulement pas que nous puissions entrer à l'intérieur, on va sortir, on va s'en aller. Laisse ça, laisse tomber. Écoutez, il y a un endroit où j'étais entré. On préparait les garis. On préparait les garis. Je l'avais touché, non? J'ai pensé à mon bébé. J'ai pensé à mon bébé. J'ai pensé à mon bébé. Comme ça. Écoutez, je vais laisser une histoire. Non, je vous l'ai dit. Non, vraiment. Non. Je vais le réaliser. Je vous le dis, non? Il y a du piment, oh. Ma soeur. J'ai dit, hein, apporte-moi vite de l'eau à boire. Oh. Je n'arrive pas à finir la nourriture à cause du piment. Oui. Il m'avait donné 3 cas. Alors je vais voir ce que je vais faire avec. T'inquiète pas alors. Quand je vais entrer, je vais te donner. Tu comprends? Si tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe. Ce n'est pas pour rien que je suis ton grand frère. Au cas où tu as besoin de quelque chose, il faut toujours me dire. C'est bon. Ok. Mais... ne t'en fais pas. La nourriture est bien préparée, tu comprends? D'accord, mon frère. C'est bien. Une seule chose. Si tu veux préparer des choses comme ça, hein, mets un peu du piment. Ce que tu as mis ici, ça peut faire mal au ventre à quelqu'un. Je me rappelle, j'étais avec ma petite amie. Mais je savais que tu allais vraiment aimer ça. Je le saurai comment. Tu vois ce garçon, il est toujours comme ça. Bien, utilisez l'argent que je vous ai donné, d'accord? Et à tout moment que vous aurez besoin de quelque chose, hein, comptez sur moi, en fait. Venez à la boutique, je vais pallier à ça. Je suis comme un distributeur officiel. J'ai suffisamment de l'argent à vous donner. Et si vous en avez besoin, venez, je vais vous en donner. Ah, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, Jeff, nous avons apprécié. C'est une bonne chose. C'est bon, à plus. Prenez bien soin de vous. Il a beaucoup d'argent. Es-tu sérieuse? Je ne peux imaginer. Je ne peux pas imaginer. Allons-y là-bas. Belle créature, ça va? Tu n'es pas supposé marcher le long de tout ce chemin seul. J'espère que tu me permettras de t'accompagner. Non, merci. Je remarque que tu n'es pas familière aux étrangers. Bien, mon nom c'est Juge. Mes amis internationaux m'appellent Juge Mate. Je suis un import-exportateur. J'aime bien le matériel car je donne l'argent. Je ne fais pas de transactions avec lui, je donne du cash. Alors, tu, ça ne te dérangera surtout pas si je te donnais un peu d'argent afin que tu prennes une moto. Non, monsieur, je vais parfaitement bien.
Eh, mon cher, désolé. Ah, effet. Comment ça va? Désolé, comme je faisais plus beaucoup de temps. Où est Toby? Obi n'est pas parti. Moi, j'ai examiné. Voilà pourquoi je m'empresse. Eh, en tout cas, ça, c'est de ma faute. J'ai vu que ce serait mieux d'arranger ces petits paquets pour vous deux. Ça peut vous aider même pour l'école. Tu sais que ces jours ne partent pas. Ah, ah, pourquoi non? Et fait pourquoi? Tu sais que j'aime ah, pas ça. Ah, c'est rien, toi aussi. Tu es comme ça, pourquoi? C'est rien. C'est comme ça dans la vie. Nous sommes toujours les frères. Ne t'inquiète pas. Je ne vois aucun mal. Voilà pourquoi je suis venu vous aider. D'ailleurs, tu seras mon docteur médical. N'apprends pas ce qui peut déranger ton intelligence. Mon cher, merci beaucoup. Tu m'as vraiment surpris. Merci. Je te bénisse abondamment. Mon cher, laisse ces problèmes. En quoi nous sommes des amis, si ce n'est pas pour s'entraider avec certaines choses. Oh, mon cher ami. Ah. Je suis vraiment écoute, je viendrai te voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est mieux. Ah, mon ami. Pardon, entrez déjà. La semaine prochaine. Mon cher, entre. Mon cher, tu sais quoi? Je n'ai pas encore vu le chauffeur qui va vous conduire. Mon cher, bonne route. Moi, je rentre déjà. Je rentre un peu pour voir certaines choses, tu sais. On se voit la semaine prochaine. Prends soin de toi. N'oublie pas de me faire signe quand tu vas arriver. Au revoir. À plus, oh. Effet, comment non? Bonjour maman. Oui, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vis que je n'ai pas vraiment d'argent. Alors, je voulais acheter la viande, mais je ne peux pas. Je ne sais pas si, qu'est-ce qu'on va faire. Pas de problème, maman. Comment va les marchés? Les marchés sont difficiles. Les clients veulent acheter seulement de l'autre côté. Oh, ne t'en fais pas. C'est les marchés. Tout le monde va vendre, hein? C'est comme une compétition, hein? Tout le monde va vendre, ok? Ah, ça c'est bien. Mon ami, regarde un peu là-bas. Donne-moi ces emballages. Merci. Oh, choisis pour moi ça. Prends même ça, okay. Maman. On se voit à la maison, que maman. Vous oui. D'accord, maman. Ouais, au revoir. Bonjour, beauté. Qu'est-ce que vous faites ici? Bien. J'ai sacrifié mon temps pour te chercher. Ça, c'est qu'un juge. J'obtiens toujours ce que je veux. Pourquoi est-ce que vous me suivez? Très simple. Tu vois, je suis vraiment intéressé par toi. Et je peux aller partout dans le monde pour exprimer ce que je ressens pour toi, ok? Ah, savez-vous que vous me dérangez? Le savez-vous? Ok, merci. Je ne suis pas du tout intéressée. Regarde, fille. Hein? Pourquoi ne pas me donner un peu de ton temps pour que je puisse te transformer en une fraîche et mignonne fille, comme je l'ai toujours fait? Je suis comme une machine à sous. Je ne fais pas des transactions, moi, jamais. Je donne du cash, ok? Ok. Pourquoi ne pas emmener ton argent directement? Non, dirige ça à une autre personne. Fais-le directement. Et n'ose plus jamais montrer ton sale visage ici. Mon cher, c'est comment? Je veux un peu te déranger. Regarde, du moment où notre colocataire n'est pas vraiment sérieux, pourquoi ne pas demander à Effet de venir vivre avec nous? Oh, c'est pas une mauvaise idée. Oui, mon cher.
Et c'est pas vraiment une mauvaise idée, tu vois un peu. Mais si je trouvais un peu d'argent, c'est pas mal, on peut toutefois l'amener ici. Oui, non. Vivre avec nous, sans problème. Nous allons payer pour tu lui. Tu vas prendre toute sa charge. Nous allons payer pour d'accord, lui. D'accord, on va payer. Alors donne-moi du temps, je veux travailler. ok, je crois que c'est après les tests demain. Vous avez combien de tests demain? Autour de 14 heures. Et dès que je finis avec le test, ok, quel est ce test que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, tu as peur. Le plus difficile même. Je n'ai pas les tableaux des aventuriers. Moi, j'ai étudié, toi, tu t'aventures avec moi. Hein? Tu vois, mon cher, quand tu iras au village, fais de ton mieux que tu puisses essayer de le convaincre. Il doit absolument venir ici. Parce que je ne veux pas qu'il reste moisir là-bas. Il doit certainement quitter le village. Regardez-moi qui est en train de parler. Regardez-moi qui est en train de parler. Qui est ici, oh, maman? Ok. Qui est là? Ma. Ah, ah. Mais pourquoi est-ce que tu es en train de faire tes mains comme ça? Je peux voir que tu as passé un très bon moment. Je sais. Oui. Qui pense-tu que je suis seule à la maison? C'est parce que tu veux rester à la maison toi-même. Ah, où est maman? Elle a juste fait un petit déplacement, il n'y a pas longtemps. Oh, ok. Je vais demander à papa, je crois qu'il ne sera même pas là. Hein? Bien. Ah. Je suis venue faire une petite lessive ici. Je savais le pouvoir de ta présence. Tu peux le dire encore. D'accord. Pour trouver la solution à cette épée, il faut d'abord chercher à savoir la méthode à utiliser. Ensuite, chercher la piste de solution. La chose à faire est que... Alors, avant tout, il faut savoir, nous avons les données. Nous les reprenons de l'autre côté. Savoir d'abord quelles sont les données que nous pouvons convertir et lesquelles que nous ne pouvons pas. Alors, c'est sur base de ceci que nous allons travailler pour découvrir la productivité. Et c'est ça même la réponse. Alors, le premier, est-ce que tu connais le premier? Le premier, non. C'est celui-ci. C'est ça le premier. Et le deuxième peut être là. Parce que si tu ne trouves pas cet élément, tout ce que tu feras sera gâché à partir de cet élément. C'est quoi? Bébé. C'est quoi? Tu es vraiment très intelligent. Quelquefois, je me dis que j'ai trouvé une grâce. Oh, c'est quoi, chérie? Ça, ce sont des petites choses, les choses élémentaires. Bien, tel que tu dis, je pourrais mieux faire si je continue avec l'université. Effet. Bonjour, maman. Je file mon fils, elle est de ton côté. Bonjour, maman. Ma chère, comment s'est passée ta journée? Je voulais dire merci beaucoup pour les habits que tu m'as aidé à couler. C'est bien, hein? Tu sais, tu veux que moi, si je lave tes habits avec celui de ta soeur, je vais t'aider à arranger n'importe quoi. Nettoyer, arranger. Oui, oh, je connais ma fille. Mais bébé. Bébé. Tracy. Comment tu vas, non? J'espère que tu es là pour mettre encore des bases très solides avec ton homme, hein? Ah, hein? Maman. Hmm? Je ne saurais pas décevoir Effet. C'est vrai. Effet, tu as écouté. Ne me provoque pas, oh. Et moi, je suis encore là. Je ne veux pas que tu puisses mettre au monde quand je suis plus là-haut. Maman, hein? Maman. Vous devez prendre soin de ces problèmes parce que ça doit bien se passer. C'est comme ça, maman. Hein? Moi, je veux que ça se fasse. Je t'encourage. C'est ça, maman. Je vais le faire seulement selon tes conseils. C'est ça. Hein? Hein, pour faire comme ça, miam, miam. Tu vas faire ça, hein? Et tu vas nous donner et porter le bébé. Et je vais bien porter le bébé. Tu vois mon dos? Tu n'as pas à te plaindre. La nourriture est prête. Ok. Oh? Ok, moi je viens vous voir. Hein? Hein, pas de problème. Ta mère est très drôle. Merci beaucoup. Bonjour. D'abord. Mais bébé, tu m'as pas dit que tu étais venu faire la lessive. Oh, j'avais dit à Rugby de ne pas te le dire. Oh, ok. Oh, si je te disais que je ne vais pas t'épouser. Tu dois dire ça pourquoi? Après tout ce qu'on a passé ensemble. Oh bébé, ne faut plus dire ça encore. Si maman l'apprend, je t'assure que ça peut causer même la mort. Ah, t'inquiète, je suis en train de blaguer. C'est mieux que tu plaisantes, oh. Oui. C'est mieux que tu plaisantes. Effet, être ici ou il n'y aura pas mariage. C'est ça, c'est ça la décision. C'est ça oui. Que j'ai besoin d'entendre de toi. Oui. Tenons à concrétiser notre objectif. Tu vois ma mère là.
Elle se fâche très mal, ne t'en fais pas. Il est tellement drôle. Oui, c'est bien. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que tu vas faire? Laisse-moi d'abord finir avec ça. Ok. Hé, bébé. Mais où est la viande, non? Oh, mon cher ami, je suis content de toi. Bon, je t'ai attendu il y a un moment. C'est comment? Comment tu vas? Tout va bien. Je pensais pas que tu allais encore. Non, ça ce n'est pas un rendez-vous à rater, non. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Je suis là, mon frère. Comment va toutes choses? Les études? Mon cher, il y a 2 ans qui se sont écoulés. Mais je ne vois pas clair avec tes études. Ne mens pas, ne mens pas. Non, ça je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Ne mens pas. Tu seras docteur médical bientôt. Un docteur en médecine très soigné. Docteur. C'est bien, mon frère, c'est bien. Ok, allez-y. Quelquefois, on doit vraiment s'aider. Tu vois, on est à même sang. Oui, c'est vraiment ça. C'est mon échec. Bien sûr. J'étais en train de penser que tu puisses un peu penser à tes études. Tu trouves, ok. Et je trouve pas vraiment important de pouvoir te laisser dans ces problèmes. Si tu vois, j'ai besoin que tu étudies, que tu viennes. Après? Non, c'est vrai, ça se comprend. Mais mon cher, écoute, ce que je peux te dire, c'est difficile pour le moment. Ah, c'est difficile. Juste que ces derniers temps, je n'ai pas vraiment l'argent. Ah, merde. Mon cher, j'essaie un peu de travailler dur pour regagner aussi les études. Le problème qui est là, c'est vraiment impossible de nos jours. Être petit ami à quelqu'un sans pour autant étudier, tu comprends? Et puis, mon frère. Mon cher, tu connais déjà les problèmes, même si je me marie. Justement, c'est un problème de longtemps. Vu mes épargnes, le petit projet dont je me débrouille ça et là, ça ne suffit pas toujours. Mais j'aimerais continuer toujours avec le business. Cette femme peut faire aussi autre chose, faire aussi les affaires pour qu'il y ait l'équilibre, tu vois? C'est vraiment difficile. Il y a quelque chose de grave avec toi. Je te dis ce que je pense. C'est pas normal. Si tu essaies de le faire vraiment pour ta maman ou ta sœur, mais pour Tracy, mais elle a une famille, non? Mais donc tu essaies d'hypothéquer ton futur, non? Ah non, ah, tu me fais rire vraiment. Comment je peux vraiment gâcher mon avenir de moi-même comme ça? Ça me fait rire vraiment. Non, moi je te comprends, mon cher. C'est toi qui ne me comprends pas. Ok, écoute. Tu me connais bien. J'ai besoin d'étudier aussi. Je vais dire jusqu'à ce que je vais trouver ce que je cherche. Mais j'essaie un peu de donner le temps, tu vois. Je vois en premier lieu d'abord les études, que de chercher un bon travail. Tu peux même fuir ton hôpital quand tu vas terminer. Tu vois, mon cher ami, est-ce que tu sais combien tu serais apprécié? Est-ce que tu le sais? N'ose pas à faire des avortements inutiles. Non, je ne dis pas que tu seras comme ça. Mais je ne dis pas que c'est ce que tu feras. Toi, tu seras un bon docteur. Mais mon cher, écoute. La vérité est que quand je vais finir avec les études, j'aurai toujours de l'aide. Cette aide peut me permettre à faire autre chose. Mais essaie un peu de voir. Tu dois voir ta vie, car ça, c'est à toi la vie. Hein. Je sens comme... Mon cher, tu ne me comprends pas toujours. Mais bro, c'est ce qui fera que ma soeur aussi ait le courage. Oh mon cher ami, oublie cette histoire. La femme prendra beaucoup du poids parce qu'elle sera déjà chez moi. Mon cher ami, c'est ce que moi je souhaite, je te l'ai dit. Parce que elle sera avec moi tout le temps à la maison. Qui est ici? Viens un peu, pardon. Oui, viens un peu. Oh, c'est bien. Mes amis les plus honorables viendront dans 2 semaines avec beaucoup de gens. Avec des cortèges, des militaires et des policiers, juste pour le mariage. Ah, papa, hein? J'ai comme l'impression que tu t'aventures beaucoup. Tu blagues. Oh, qui blague? Ne te fâche pas, oh, papa, il fait un. Cet homme qui est venu pour le mariage, vous avez parlé avec lui. Maintenant, la personne est où? Hé, outrage. Ce n'est pas normal. Je connais très bien le monsieur. Le monsieur a suffisamment de l'argent. Il dépense du dollar. Il dépense de héros, il dépense même notre monnaie locale, surtout que nous utilisons ici. Hein? L'argent n'est absolument rien. Oui. Hey, hey. Le monsieur est suffisamment jeune, tu vois. Je crois qu'il peut avoir dans les environs des 25 ans. Hein? Il a quel âge?
Quoi ça? Hey, hey! Yeah! Tu sais, quand tu parlais, j'ai vu comme si un démon était quelque part, mais je ne savais pas. Et mais qu'est-ce que l'âge a à voir avec ça? Problème? Attends, toi cet homme, je vais un peu t'avertir. Je ne veux pas que nous puissions commencer à discuter, c'est comme ça, je ne veux plus de ça. Tu vois maintenant là, je suis concentrée à ma fille, hein. Elle c'est mon ange, alors n'ose pas te bêter. C'est un grand mensonge. N'ose pas venir avec tes histoires. C'est un très grand mensonge. Je te rappelle que c'est moi qui l'ai mis au monde. Et j'ai le plein droit de la donner à quelqu'un à tout moment que je le veux. Est-ce que tu appartiens? Tu as produit quoi? Qu'est-ce que tu as produit? Tu connais bien. Tu vois ce que tu veux faire là, tu risques de fuir. Tu vas fuir à les gosses, tu connais les gosses. Tu vas fuir jusqu'à là, à pied je te dis. D'ailleurs, il n'y a personne qui va t'amener là-bas. Encore aussi. Je te l'ai dit. Dire, la folie n'a jamais touché à ma famille. Toi tu es la première génération, que tu ne peux pas devenir folle. Bien, j'attends. Toi et moi ensemble, on va trouver beaucoup de poissons, non? Et si tu es comme ça, tu ne vas pas revenir dans tes sens. Si moi et toi, on travaille ensemble, ça serait... C'est les sens que toi, tu ne comprends pas. Je veux maintenant que tu comprennes bien. Une personne qui ouvre sa bouche pour parler de n'importe quoi. Tu sais comment ta bouche là t'amène des problèmes, non? Oh, dans tout ça, donc, tu peux prendre l'argent, c'est chez messieurs. Un grand mensonge. C'est un grand mensonge. Je n'ai rien pris de ces messieurs-là. Absolument rien. C'est juste qu'il veut passer le deal avec moi. Une chose, il a promis de m'acheter une voiture. Une fois que ma fille aurait accepté d'épouser. C'est simple, les gens venant de l'Europe ne sont pas comme nous ici, hein. Tu dois comprendre ça. Je lui donnerai ma fille en mariage. Déjà au départ, il n'est pas reconnaissant, donc inutile. Ne te dérange pas, ton papa là il parle et c'est mal, il va rien faire. Papa, je vois que tu vas dire que tu as... Hein? Je veux... Ah, arrête avec ça. C'est moi que tu dis ça. Est-ce que tu n'as pas honte? Hein? Est-ce que j'ai chié dans mes amis pour me dire que j'ai pas honte? Regarde ce genre de personne que tu es. Arrête ça! Tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire avec ton corps? Tu vas épouser ce garçon, tu l'auras en mariage. Tu n'as même pas de choses à... Ah bon? Tu m'insultes, c'est pas grave. C'est toi qui n'es rien. Tel que tu es là, qu'est-ce que tu as déjà fait? Mes enfants, est-ce que tu les édiques, hein? Tu les édiques? Ma fille ne peut pas l'épouser. Autour de moi vient de Dieu, pas du diable. Quel Dieu? Fille. J'espère en Dieu. Cet enfant qui est assis ici, elle t'a jamais vu que tu lui donnes l'argent comme ça. Quand il part là-bas dans les boutiques, tu achètes ce que toi tu peux manger. Et c'est fini. C'est ça ton problème. Si tu oses la toucher, c'est que je vais faire et comment je vais crier. Tu vas pas y croire. La laisse moisir ici dans cette maison. Tu lui as déjà amené. Oublie ces problèmes-là parce que cet enfant ne peut pas partir seulement comme ça, rester que j'ai un homme âgé que lui. Oublie ça. Est-ce que je t'ai rappelé avant? Ah, arrête ça. Vraiment l'idée de comment nous avons recommencé notre... Moi, je vais pas applaudir pour toi la façon dont tu pars danser là-bas dans le marché. Évidemment. Parce que dans le prochain niveau, dans le délai, si tu revenais comme ça avec tes danses, dans le marché n'importe comment, tu aimes bien danser. Quand je te vois, je ne dirais même pas oui. Et finalement, je veux m'en charger de toi et je vais te faire la bouche. Ah ben, quitte-la. Ferme ta bouche. Que ça arrive un peu et on verra. Travaille dur, travaille dur. Travaille sur ça. Tu iras prendre les enfants de ton frère. Allez-y. Parlons de ce sujet-là, hein. Alors, Effie a vraiment refusé de venir avec nous. Tu vois, hein, mon cher, c'est vraiment la peine perdue. Même si tu lui parles, si quelqu'un parle, même son père, tu ne vas pas marcher. C'est pour ça que tu parles comme ça. Non, je te dis, je ne ferai pas. Et que peut être le problème? Mon cher, je n'ai aucune idée. Bon, moi, je pense que c'est même de l'argent. C'est comme ça. Oui, bon. Mon cher, je suis vraiment faim. Là, je dois me reposer. Je ne me sens pas du tout. Arrête de me déranger. Tu es fou, toi. Les statistiques et les maths, tu vas mourir si je n'étudiais pas bien. Attends. On se voit, mon gars. On se voit, mon gars. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ah,
Lizzie, calme-toi, non? On se chamaille. Sonia, Jessia. Bébé, calme-toi. Je ne sais pas si tu vas voir John Camp parce que je n'ai plus d'argent. Sérieusement. La fois dernière, je l'avais cherché. Ce monsieur n'est pas ton père. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Sonia, essaie de te prendre en charge, ok? Et arrête de prendre des hommes. Regardez celle-ci. Elle a aussi le courage de me le dire. Est-ce qu'il va bien? Esta, cette fille est folle. Ou? Pouvez-vous imaginer? Tu traites quelqu'un par des noms? Regardez cette fille qui est pire que moi. Tu as perdu ta tête? Non mais laisse-moi, ne m'appelle pas. J'ai refuse. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Viens non, ici. Ça ne se passe pas comme ça, papa. Non. Reviens ici. Reviens ici. Non, papa, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça ne se passe pas comme ça. Écoute, je ne peux pas perdre mon temps pour discuter avec toi. Concernant toutes ces bêtises que tu es en train de faire. Non. Fait, écoute ce que tu dis. À cause de ta colère, tu veux mettre ton doigt dans mon œil. Oui, je vais le mettre encore et tu ne me feras rien. Jusqu'à ce point. Donc tu veux mettre ton doigt dans mon œil. Ça ne se fait pas comme ça. Et tu me mets en garde, fait. Mais ça fait quoi? Tu ne vois pas tes amis ce qu'ils font? Et qu'est-ce que toi tu fais? Fait. Tu ne peux pas parler à ton père comme ça. Hein? Je suis au courant de tout. C'est qui mon père? Je pense, je te l'ai déjà dit maintes fois, mais tu ne comprends pas. Tu n'es pas mon père. Je te dis, ouvre bien les oreilles. Comme ça, tu vas très bien comprendre tout ce que je t'ai dit. Tu n'es pas mon père. Unique raison là. Quelle raison? Tu n'es pas mon père. Tu fuis tes responsabilités dans cette maison. Toi, tu es mon père, irresponsable foutu. Ojiro choko ni vuru weyo wao. Ekeno ma keno ma ne ma vomiru keno. Tu n'as pas fini. Odu yon we mere mesero. Odu yon we mere mesero. C'est nul et sans effet. Hey! Ça c'est un serpent. Je suis le scorpion. Tu as dit que je faillais mes responsabilités. Mais tu restes dans ma maison et manges ma nourriture. Et tu veux du bois mon eau. Et tu dors doucement comme si c'était chez toi. Et tu dis que j'ai failli à mes responsabilités. C'est vraiment ce que tu dis. Pardon, ferme un peu ta bouche. Nous le savons bien que tu es en train de tricher maman avec une autre femme. L'autre là... Attends, je sais bien qu'elle reste de ce côté. Les jours que je te suivrai, tu ne le sauras pas. C'est les jours que je vais vous attraper vous deux. Il y a une seule chose qui fait assez que je reste encore dans cette maison. C'est à cause de ma petite sœur Rookie. Alors, sachez-le que si vous me voyez rester ici, ne croyez pas que c'est à cause de vous. Ferme ta bouche. Tu la fermes aussi, c'est quoi? Je ne t'ai pas averti. Je ne l'ai pas fait sur toi-même. Hé, à ton âge, tu t'adresses comme ça. Si par erreur, je te donne une gifle, tu le diras à la génération future. Tu vas me gifler. Intériorise bien tout ce que je t'ai dit. N'amène pas ma sœur là-bas, elle a donné les hommes à cause de l'argent. Si seulement tu oses te marier. Parti. Oui. C'est ce que tu as fait aussi avec ma mère. À l'époque où ta mère m'avait épousé, elle était comme ça. Oh, c'est maman qui t'avait épousé. Hein? Tu le confirmes. Tu as toujours nié. Aujourd'hui, tu as dit la vérité. Je ne ferme pas, c'est toi qui la fermes. Ma mère, moi, je l'ai épousé, quoi, tu ne sais pas. C'est moi qui l'avais épousé. Ma mère ne fait pas ce que toi tu fais. Maintenant, elle commencera aussi à le faire. Ton travail est de courir derrière toutes les jupes du quartier. Abomination. Oui, j'accepte. Abomination. J'accepte. Tu m'entends? Abomination. Oh mon Dieu. Regardez-moi ces garçons. C'est un garçon maudit, vraiment. Est-ce qu'on pointe du doigt à son père? Oh Jésus, comment je peux avoir des enfants comme ça? Oh. Allô? Bébé, est-ce que tu vas au shop? Ok. Bébé, c'est ma maman. Elle doit avoir un traitement. Elle est malade. Ok. Hey! Mon fils! Ah ah! Tu n'es pas sorti. Tu es resté seulement comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu vas, non? Je vais bien, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, il y a un problème. Et ça me dérange vraiment beaucoup. Ah ah! Qu'est-ce qui lui dérange? Elle m'a dit qu'elle souffre du cancer. Hey! Oh
mon Dieu, pardon. Ce qui me choque, c'est... Oui, il me faut vraiment trouver de l'argent, maman, pour prendre soin de cette fille. Avec ça, hein, je ne vais pas te mentir. Oh. Même Dieu ne saura pas l'aider. Et ça me dérange beaucoup, maman. Je suis en train de penser comment trouver cet argent pour l'amener à l'hôpital. Ou je peux prendre même une partie de cet argent que j'avais gardé pour mes études. En fait, de l'amener à l'hôpital, maman. Ferme-moi cette bouche-là. Tu penses à faire quoi? Tu es normal? Tu parles comme si tu étais normal. Tu veux prendre l'argent pour lui donner pour qu'elle fasse quoi? Hein? Tu prends soin d'elle, ça va devenir comment? Et ça, c'est quelle bêtise, là? Tu l'as épousée? Hein? Quand tu veux te tuer à cause de ses enfants, tu veux lui donner la moitié de ton argent? Ah, dis, ferme-moi cette bouche-là, qu'est-ce que tu veux dire? Par moi, toi, ces garçons, je te vois comme. Par moi, je te voyais, c'est comme si tu perdais la tête. Hein? Et tu parles de quelle fille comme ça? Hein? Celle que hier, tu avais pris 8000 de prédateurs pour lui donner. Pour ses frais académiques, et tu le reportes encore? Hein? Maman, ne te dérange pas, c'est un projet. Avec, ferme-moi cette bouche qui parle beaucoup là. Écoute, cette calvitie doit bien réfléchir, hein. Qu'est-ce qui te fait, non? Hein? Tu te crois? Avec moi, tu t'en fous, tu ne peux pas raisonner, mais donner la moitié d'argent quand tu as une petite amie. Tu peux imaginer, copine, ce n'est même pas une femme. Quand tu auras ta propre femme, tu vas finir. Tu sais de cette caisse la paix souffrir. Tu veux faire la bonne terre, que j'ose te l'arracher comme ça sous tes yeux. Qu'est-ce qui te prend, non? Je veux pas te blâmer. Moi, si je me mettais à te dire ceci, cela, tu me diras que, oh non, maman n'aime pas ses enfants. Je ne te blâme pas. C'est moi qui t'ai beaucoup bercé. Je vais te revenir parce que je ne veux pas que je puisse suivre une personne comme toi, sinon je risque de faire des crises. Amène-moi mon sac, si je peux trouver quelque chose là-bas. Joyce, quel est le problème avec toi? Tu veux te donner la mort? Je vais te conseiller de présenter tes examens. Ce que tu dois faire maintenant. Je fais de mon mieux, mais je n'y arrive pas. Ah, ma sœur, efforce-toi. Tout ceci passera. Hein? Je ne sais pas si je veux trouver quelqu'un pour m'aider ou pour résoudre tous mes problèmes. Je ne veux plus être derrière mon petit ami pour le déranger de temps en temps. En parlant derrière de ton petit ami, cet homme est tellement compliqué. Lui, son travail est de te protéger. Ah, je ne sais pas comment disquer en tout cas moi, vraiment. Allô? Hein? Et comment chez toi? Je ne lui connais pas. Parlons d'autre chose. Oh, grand frère, comment allez-vous? Où vas-tu? Vous allez bien. Mon frère m'a envoyé avec ça. Oh, ce n'est pas la faute à ton frère. Ma maman a un peu voyagé, elle a fait un petit déplacement pour les gosses. Et je crains qu'elle ne revienne pas assez rapidement. Oh, quelle bonne nouvelle. En tout cas, je vais dire à mon frère qu'il efface pour toi. Je ne sais pas trop, mais ce dernier temps, il est un peu occupé. Merci de s'être inquiété pour elle. Mais il y a un ami à moi qui a accepté de tout prendre en charge. Et c'est lui qui paye tous les frais. Ok. Oui, gloire soit rendue à Dieu. C'est bien. Passe-moi mes salutations à Effé et à maman aussi. Hein. Maman, je suis contente que tu retrouves ta force. Toutefois, je suis venue voir Effé. Je suis venue le dire pour mes examens. Ok. Ah, qui est-ce que je vois ici? Ah, quel plaisir. Mon beau fils. Maman. Je vois que vous allez très bien. Ah, Dieu te bénisse. Maman, ton beau fils, juste comme ça. Viens,
T'es un vieux monsieur. Merci d'avoir traité ma mère. Mais la vérité est que je ne suis pas intéressée par toi. Et je ne peux jamais l'être. Peu importe le montant qu'il a dépensé pour toi, je le payerai à 3 reprises ici. Excuse-moi. C'est une insulte, tu sais. Ha! Tracy! Tout ce dont tu as besoin, c'est un homme pareil. Comme époux. Il prendra soin de toi et il va te donner tout ce que tu veux. C'est quoi ça? Bien. Je ne suis pas intéressée par n'importe quoi qu'il veut me donner. Ah, ah. Maman, je suis licenciée aujourd'hui, c'est à cause de Efe. Comment peux-tu oublier ça? Je vais payer à Efe 7 fois l'argent qu'il a dépensé. Oh. Toi, qu'elle l'évalue en argent qu'on a. Ah, ah. Maman, hein? Je lui ai toujours dit en privé, je suis comme une machine à sous, j'ai de l'argent sur cash. Hein? Je ne fais pas des transactions. Bon. Je donne du cash. Quoi que Efe ait besoin sur cash, je vais lui payer. Hmm? Tu as écouté? Maman. Ha! Alors, c'est comme ça? Cet homme t'a vraiment envoûté. Je suis sûre qu'il t'a vraiment envoûté. Peu importe. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Et toi, vieux monsieur, je ne suis pas intéressée par toi. Va te faire foutre. N'importe quoi. Quand elle est là, il serait mieux de la payer directement. Hein? Elle prend l'argent et part. Maman, la première raison pour laquelle je suis ici, c'est que je me suis arrangé pour amener Tracy à aller à l'étranger. Yeah? Oui. Peu importe les pays dont elle a besoin, il ne lui suffit qu'elle m'en parle pour que je puisse faire en sorte qu'elle parte et continue avec son master. Tu as vu? Hein? Elle était ici, c'est m'a faire des ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est pour quelle finalité? Hein? Un homme comme toi, fort et capable en tout. C'est bien ça, c'est fini. Il n'y a rien à discuter. Maman, je suis comme une machine qui fabrique de l'argent. Je ne fais pas de transfert. Hey! Hein? Je donne du cash. Donc, on l'appelle Sema comme ça. Et il sort 1 500 000 pour payer les traitements. Ouais, on n'a rien à dire parce que dans cette vie, il y a plein de choses. Il y a des gens qui ont un bon cœur. Et... Je ne comprends pas les hommes. Pourquoi est-ce qu'ils pensent toujours aux choses négatives? Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Ferme ta bouche, hein? Ferme ta bouche, s'il te plaît. Ferme ta bouche, vraiment. N'y pense surtout pas. Faut toujours souhaiter des bonnes choses dans ta vie. Bébé, s'il te plaît, pourquoi tu te déranges jusqu'à ce point, hein? Je t'avais dit, quand je vais rentrer, je vais t'acheter tout ce que ton cœur va désirer. C'est comme si tu ne m'as pas encore compris. Hein? C'est comme si tu n'as pas besoin de m'épouser. Esther, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu dis tout ceci. Je t'ai donné beaucoup d'argent pour tes affaires. Ah, je n'ai pas besoin de ton argent. Ah, j'ai besoin d'être ta femme. Quoi? J'ai besoin d'être ta femme. Désolée, tu ne peux pas être ma femme. Licenciée précieuse, montre-moi ta face, non? Je te crois. Félicitations. Merci, bébé. Chérie. Oui, bébé. Tu sais que je suis licenciée aujourd'hui à cause de toi. Non, non, non. Tous mes remerciements. C'est Dieu que tu dois remercier. C'est lui qui a fait à ce que tu termines tes études. C'est Dieu qui donne la force. Alors, dis-moi, c'est quoi ton plan? Je peux dire... Je crois, j'ai beaucoup de plans. Il y en a beaucoup. Okay. Mais je crois, premièrement, je vais essayer, ne t'en fais pas, j'ai compté te dire. Je vais t'ouvrir un petit shop, tu comprends? Pour commencer à te débrouiller aussi. Regarde seulement notre pays, les choses n'avancent pas. Parler seulement la langue de l'oncle Sam. Oh bébé, pourquoi ne pas nous marier la semaine prochaine? Oui, on peut louer un appartement... Et commencer notre vie. Hein? Bébé, c'est difficile de commencer avec le mariage. Je veux dire, on ne peut pas sauter directement au mariage. La semaine prochaine. Sûr? La semaine prochaine. Bébé, sois calme. Ce n'est pas comme si je ne tiens pas en compte de ces plans maintenant là. Mais c'est rien, bébé. Je peux les faire. Nous pouvons les classer en deuxième position. Écoute, bébé, ne t'inquiète de rien, ok? Laissons le temps au temps.
Ne t'en fais pas bébé pour le mariage. Tu vois beaucoup crier. Ok. Je ne suis pas contente. Je vois bébé, ne le sois pas. Tracy, tu pleures? Hein? Tu pleures? Mais je ne pensais pas te voir pleurer. Tu dois être heureuse que Dieu t'a béni. Hein? Donc tu veux vraiment que je me tienne devant Effé et que je lui dise que je me marie à un autre homme? Mais ça c'est bien, ça fait quoi? Après tout ce qu'il a fait pour nous. Oui, pour nous. Tout ce qu'il a fait. Pour moi, c'est Digmao. Ha! Il m'a sauvé la vie. Ma vie à moi, Ayo, ta maman. La vie de ta maman a été sauvée. Hein? Il a sauvé ma vie. Et ma vie, la vie de ta maman. Moi, ta maman. Dans effet, quel jour il apportera un million pour me guérir? Je te conseille que tu acceptes George qui t'épouse. Parce que quand tu es heureuse, moi aussi je serai calme. Tu fais tout ça à cause de ta seule satisfaction. C'est pas grave. Tu peux dire tout ce que tu veux. Hein? Mon problème, accepte George qui t'épouse. Je veux bénir le mariage et tu vas partir. Et c'est fini. Personne ne va rien dire. Fini! Ah ah! Qui sait s'il allait aussi te scolariser? Ma sœur? Qu'est-ce qu'il y a? Essaye de mieux penser. Essaye de mieux penser, car si tu épouses cet homme, il va changer notre vie, il va changer notre environnement. N'es-tu pas fatigué de la manière dont nous souffrons? Hein? Je veux dire, moi je ne supporte plus cette pauvreté. Écoute. Même toi? Écoute, attends que je t'explique. Si tu épouses Georges, c'est très clair qu'il a beaucoup d'argent. Il va tout changer pour nous. Je veux dire, je suis fatigué. Maman aussi est fatiguée de cette pauvreté. Essaye de revoir ta décision. S'il te plaît, je veux juste que tu essayes de comprendre. Dégage d'ici maintenant. S'il te plaît, essaye de revoir ta décision. Hein? Je suis très fatigué de la pauvreté. D'où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu t'en vas avec la voiture? C'est l'homme qui avait traité maman. C'est vrai? Oui. Ah, comment ça va? Monsieur, tu seras béni. Dieu va te... Ah, monsieur, tu as bien fait pour nous. En tout cas, monsieur, tu as réalisé un bon travail. Merci beaucoup. Monsieur, tu as bien fait. Tu seras béni. Ah! Tu ne sais pas quel genre de joie qui te ressaillit maintenant dans mon corps. C'est bien, c'est bien. Dieu m'a béni. Oui, je vois. Et je suis là pour te bénir. Tracy m'a dit que tu y as contribué suffisamment pour ses études. Et je suis là pour te payer. Monsieur, tu es amusant. Pourquoi tu cherches à me payer? Elle, c'est mon amour. Ah ah, son éducation est nécessaire. C'est intéressant. Il parle bien français.
Ça, c'est bien. Alors, je voudrais être clair avec toi. Tracy et moi allons nous marier dans 2 semaines. Et voilà que je suis ici pour te payer pour tout ce que tu as contribué dans sa vie. Parle juste du montant. Tracy, qui est cet homme? Parle, non? Comment tu vas parler comme si tu as de l'eau dans la bouche? Mon amour, est-ce que tu peux accepter tout ce qu'il te donne? Il est très riche. S'il te plaît, faut accepter. Tu es dingue. Tracy, est-ce que tu es normal? Attends. Est-ce que t'as dit que j'ai l'amour et l'intérêt envers elle? Ou bien l'amour que nous avons est uniquement pour le sexe? Non. Alors, qu'est-ce que tu appelles ici? Je suis désolée. Désolée. Monsieur, pardon, j'allais vraiment te répondre, mais je vois que je n'ai pas assez de temps parce que les clients m'attendent au marché. Mais j'ai compris le talent que tu as. Tu as le talent. Si tu as besoin de moi, tu viendras me chercher à la maison. D'ailleurs, je suis heureux que tu viennes connaître la maison pour répondre à ta question. Parce que ça, c'est mes aventures. Quand tu viendras là-bas, tu trouveras ceux qui te moqueront de toi. C'est vraiment amusant. Hein, ok, si tu ne restitues pas tout ce que j'ai investi à ma femme, comme tu vois que c'est la blague, tu vas blaguer. Maman, il y a un problème. Maman, viens. Maman, elle fait, maman. Elle fait maman. Quoi? Maman, juste dans le marché. Elle fait venir. Ah, il est tombé comme ça, maman, viens. Maman, viens. Oh, maman. Maman, viens. Tracy, au fait pour moi, je ne te conseille pas de quitter fait. Je veux dire, je ne soutiens pas vraiment cette idée. Sérieux. Esther, j'aime énormément Effet. Mais... Mais quoi? Tracy, as-tu déjà oublié ce que Effet a fait pour toi? Et pour cet homme-là, il n'est pas de ton genre. Pense vraiment sur ça. Esther, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quoi? Hein? Tracy? Hey. Oh non! Tu veux dire qu'elle t'a fait tout ceci après tout ce que tu as fait pour elle? Cette fille m'a brisé le cœur. Elle m'a vraiment rendu un mauvais service. Mon cher, elle a utilisé un grand marteau pour écraser ma tête.
ne faut pas douter des conseils des personnes âgées. Je me rappelle de ce que maman me disait. Si je pars voir sa maman à la fin, elle me disait que un électré ne prendra pas sa fille en mariage. Et fait, tu as dit quoi? Mon cher, réellement, on a refusé un illettré à cause de l'amour. Ah! Mais non! Ah ah! Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. C'est pas normal. Et fait, c'est pas normal ce qui se passe. Tu dois te réveiller. Tu dois lui faire comprendre qu'elle ne peut pas s'en aller librement. Et tu dois lui faire comprendre que tu es capable de l'amener partout si seulement elle se décide de continuer avec son plan machiavélique. Oui. Mon cher, c'est quoi ça encore cette histoire? Mon cher, je vois que c'est normal ce que tu dis là-haut. Je peux également me réjouir d'une partie de ce trésor. Osez seulement l'avancer, je vais frapper sur cette glace. Osez, je vais frapper sur cette glace. Reviens ici, tu vas pas t'échapper. Reviens ici, tu es fou. Tu es folle, toi. Désolée. Tu seras désolée pour qui? Désolée. On a passé tout notre temps à croire en toi, mais alors que tu n'étais qu'une folle, tu es malade, tu veux briser les cœurs de mon frère. Tu es folle. Désolée, ce n'est pas de ma faute, s'il vous plaît. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. S'il vous plaît, hein? Mon mari est prêt à donner n'importe quelle somme d'argent pour vous, s'il vous plaît. Arrête-toi là! Pourquoi tu m'as fait ça? Je vais te montrer. Arrête-toi là! Désolé. Dis-moi, pourquoi tu as fait ça? Désolé. Viens ici. Explique-moi. Tu n'es pas libre, reste ici, à genoux. À genoux maintenant, à genoux. Alors, toi aussi, seulement bientôt tu as tout oublié? Toi aussi, tu as tout oublié. Combien je t'ai pensé pour toi? Tu sais combien que je t'ai pensé? Toi aussi, est-ce que tu as bien raisonné? Pourquoi tu as tout gâché? Écoute, je te dis ceci. Entre toi et moi, quelqu'un va mourir. Oh, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu vas pas se mourir, tu vas mourir. Non, je ne l'ai pas encore marié. Non, ne faut pas dire ça. Je dis entre toi et moi, quelqu'un va mourir. Pourquoi tu ne raisonnes pas? Pourquoi cette bêtise? Malade, vraiment. Où est ton mari pendant que ce garçon t'a saigné? Il me parle de nom de cola et autre chose. Qui est-il? Il était où, ce garçon stupide? Cet homme inutile. Désolé. Non, mon cher, attends. C'est cet homme qui est ton mari? Pourquoi tu as oublié tous les bons souvenirs? Attends, Non, ça, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage. Ça, c'est quel genre de bêtises, ça? Lève-toi. Écoute, c'est que tu m'as fait. Tu vas les payer. Attendez, vous n'avez encore rien. Va-t'en, tu connais combien que je t'ai pensé pour t'acheter les habits? Vous n'avez encore rien vu. On va vous faire deux choses. Attendez, vous êtes des fous, vous deux. Imaginez. Attendez, vous verrez. Donc, dans peu de temps, tu as tout oublié. Attendez. Dis-lui que nous l'attendons. Sur des malades, vous pensez que la vie c'est très facile, je l'ai frappé tel qu'il est là. Je sais ce que je vais faire, calme-toi. Qui continue à blaguer avec les gens, pas avec lui. Je crois que ces messieurs ont envoûté cette fille. Comment elle va gâcher tout d'un coup? Le monde est très méchant, Bouka. Très 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 méchant, mon cher. Mon cher, tu sais quoi? J'avais déjà parlé de ça beaucoup de temps avant, mais personne d'entre vous ne pouvait voir ça venir. Hein? La question est que mon pote Efe est vraiment brisé. Son cœur est vraiment, vraiment brisé. Hey, c'est vraiment pénible. C'est pénible, Léo. Oh, les choses se passaient comme ça, moi. Pourquoi tu n'invites pas ici? L'inviter? Oui, qu'il vienne proche de nous, non? Oh, mon cher, nous avons examen dans très peu de jours. Je sais. Mais je veux juste qu'il soit hors de cette vicissitude. Tu ne sais pas que cet environnement lui fait rappeler tout cet amour et ce drame. Et tu penses que ce serait une meilleure option? Mon cher, je veux l'appeler. Appelle-les. Ça, ce n'est pas la seule option, mais je ne sais pas trop. Appelle-les. Je te jure que s'ils venaient, les choses seront quand même bien pour lui. Ah, le monde. Ah, avec tout ce qu'il a fait, il a été brisé. C'est quoi ton problème? Tu es devenu fou? C'est juste parce que j'étais sur de bonnes intentions, j'allais te tamponner. Hein? C'est quoi ton problème? Tu es un fou? Ta tête a pété? Hein? C'est à qui que tu parles ce français? Hein?
Tu crois que tu peux venir de nulle part juste prendre ma femme? Elle t'appartient? Tu sais combien qu'elle m'a coûté? Hein? S'il te plaît, calme-toi. Non. Tu es fou? Et toi? Tu n'as jamais dit qu'il y a un homme qui te dérange. Comment il va tout régler dans 2 semaines? Tu dis que tu l'aimes à cause de cette vieille voiture que tu conduises. Et toi? S'il te plaît. Et n'ose plus de citer encore mon nom. Si tu l'oses encore, je t'assure que je vais te tuer à bout portant. S'il te plaît. Ne me pose pas la question. Tu parles mal français. Tu viens avec un véhicule démodé. Tu te prends pour qui? Et d'où est-ce que tu viens? Hein? S'il te plaît. Tu sais quoi? Pour l'erreur que tu as faite, il faut déjà inviter les gens pour ton enterrement. Je suis désolé pour cette erreur. Il n'y aura pas de gens à ton enterrement. Papa. Il n'y a rien, ma soeur. Il n'y a rien qui s'est passé. Je viens. Je m'en vais un peu vite quelque part. Attends que je te donne cet argent pour donner à maman. Écoute, tu vas donner cet argent à maman pour acheter la nourriture, qu'elle essaie un peu de gérer. Je vais encore ajouter de l'argent quand je vais revenir, ok? Je ne t'ai pas dit d'enlever quelque chose sur cet argent. Est-ce que tu écoutes ce que je t'ai dit? Ok. Je vais, j'aimerais que tu lises des livres. Ne crains pas, je vais encore ajouter de l'argent, ok? Je t'aime. Qu'est-ce qui lui arrive? Bonjour, messieurs. Comment vous allez? Je vais bien, mais je ne vous connais pas. Je suis l'inspecteur Welty. Je suis le détective Sam. Et en quoi est-ce que je peux vous aider par rapport à cette visite? Vous êtes invité au SIAT pour un interrogatoire. Pourquoi alors? Sur le meurtre de Mr. Judge Coley. Je pense que vous vous trompez parce que je ne sais pas qui est Mr. Coley, en tout cas moi. Non, c'est toi. Je ne connais pas de qui vous parlez, je ne connais pas qui est Mr. George, je ne le connais pas en tout cas. Acceptes-tu d'aller avec nous aussi à tout, non? Ce n'est pas grand-chose, c'est juste un questionnement. Pour un questionnement? Simplement ça. On part. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tous vous pleurez comme ça? C'est insensé des garçons effets. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce que Effie a fait? Oh, 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 oh! Non, non, je me rappelle. Je me rappelle, oui, oui, oui. Ouais. On a dit qu'Effie a tiré sur quelqu'un. Et c'est stupide des garçons qui vagabondent dans la ville comme ça. Mais pourquoi il a oublié l'arme? Il l'aurait emporté avec lui, non? Maintenant, tu es là. Tu es là. Tu es là, mais tu as beaucoup bu comme ça. Ma femme, je ne pouvais que faire ça. Pour ce genre de situation, il faut que ça passe via, sans que je n'en aie en tête. Et pour ce garçon insensé, pour les garçons, effet, qu'ils ne viennent plus jamais fouler ses pieds dans ma maison encore. Jamais. Si seulement tu avais pris tes responsabilités. Ces chars de troubles n'allaient pas survenir. Tout ce qui se passe maintenant, ça n'est pas arrivé. Faux et archi faux. Pour une fois, si Effie partait à l'école, il allait tuer tout le monde. Un garçon stupide. Et je l'avais prévenu. Qu'ils viennent plus dans cette maison encore. Non, mon cher. Ah, toi. Joue bien, non? Calme-toi. Joue bien. Tu es comment? D'ailleurs, je vais te gagner. Attends, tu verras. Qui est celui-ci? Attends, mon cher. Hein, c'est quoi le problème? Il est qui? C'est quoi ton problème? Viens ici. Oui, je cherche l'un de vous qui peut me faire traverser de l'autre côté de la rive. Oui, de l'autre côté. Une pirogue? Oui. Individuelle ou en commun? Je pense que moi-même ça va. J'aimerais que je sois seul. Donc tu as beaucoup d'argent, non? Si tu cherches ce que tu veux là, il faut 1000 naira et beaucoup de choses comme ça. Si tu veux aller rapidement, tu dois comprendre ça, hein? Ok, je crois que je... C'est combien là-bas? 2000 naira. Ah, c'est complet. Chukudi. 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 Viens, 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 viens d'abord. D'accord, attendez. Passe de l'autre côté.
Depuis ce jour, personne ne m'a revu. C'était la fin. Salut. Désolée, je ne saurais t'aider en écoutant ton histoire. Si je peux demander, dans quelle université avez-vous étudié? Université nationale de médecine. S'il vous plaît, c'était en quelle année? Cette bonne année. Donc c'était toi. Oh mon Dieu. Tu es l'étudiant en médecine qui était chassé de l'université à cause d'un cas de meurtre. Ton nom et tes photos étaient affichés partout dans l'université. Non, je suis vraiment innocent de ces crimes, je souffre. Je suis innocent. Personne ne me croit, je suis innocent. Croyez-moi. Calme-toi. Mon nom est Kimura. J'étais aussi présente le jour de l'incident en question. Je suis maintenant un avocat. Vas-tu aimer que je t'assiste? Oui, s'il te plaît. Oui, avance. Je veux que le monde sache que je suis innocent. Je veux que le monde sache que je suis. Je suis personne. Je suis personne. C'est bon, ça suffit. Ne pleure pas. Allô? Biaju. Où tu vas, Piango?
Ah, désolé, je ne comprends pas votre langue. Ah, c'est sûr que tu n'es pas de ce côté. Oui, je... Justement, j'ai traversé de ce côté et alors, je préférais de me reposer un peu ici avant de continuer. Ah. Ah. Ok, Zina. Quoi? Laisse-moi t'emmener chez moi. Comme ça, tu vas te reposer et manger quelque chose. À manger, c'est ça? C'est très gentil. J'ai vraiment faim. Pas de problème. Laisse-moi t'aider avec ton sac. Ah, ah. Donne-moi, je veux porter pour toi. Ne t'en fais pas. Je peux les porter. Merci beaucoup. Ok. La nourriture est bonne. Je n'ai jamais été ici, alors je préfère cet endroit. C'est ça ta langue? Non, c'est un pidgin en anglais. Ah, c'est très beau. C'est vrai? Désolée, désolée. Peux-tu me l'apprendre? Bien sûr, si tu le veux. Je le veux. Je peux t'enseigner. Ça veut dire quoi? Ok, cela veut dire j'ai essayé de complimenter ta nourriture. La nourriture est très bonne. Ça, c'est pour toi. Merci. Tu es vraiment gentil. Diana! Ma chère! Néné, comment vas-tu? Je suis bien. Mes salutations. Ah, je suis venue te voir. Ok. Il est en train de chercher. Mais comment est-ce que tu peux dire ce genre de... Pourquoi est-ce que tu aimes commérer? Pourquoi ce n'est pas juste ce que tu fais? Tu veux maintenant dire que je suis en train de mentir? Ok, va juste chez toi et je viens te voir après, s'il te plaît. Ok? Ok, viens vite, je t'attends. Ne traîne pas, hein? Je t'attends. Oui. Viens vite. Ok, d'accord. Vous cherchez à me chasser? Non, non. Ça, c'est mon amie. Elle parle beaucoup. C'est comme ça qu'elle est toujours. T'inquiète, mange la nourriture. Bon appétit. Ok. Tu es très amusant. C'est vrai? Je me demande si tu vas faire beaucoup de temps ici, sans un frère que j'ai toujours manqué. Ok, ça va. Je serai ton frère. C'est vrai? Et aussi, tu seras ma sœur. Merci. Et ça, tu allais ici? Oui. Oui, l'environnement est bon. Es-tu sûr? Oui. Et il y a un bel air ici. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? De la part du chef. Il veut que tu viennes au quartier général, accompagné de ton étranger. Message délivré. Tu peux partir, c'est bon. Euh,
Peut-être je peux quitter ici. Non, 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 ne fais pas ça. Non, 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 je veux le résoudre, tu es mon frère. Est-ce que tu es sûr avec ça? Je suis sûr, je veux le faire moi-même, ok? Je me suis rappelé, tu m'as promis de m'apprendre ta langue. Oh, ok, ça c'est vrai, anglais pidgin? Oui. Ok, où est-ce que je peux commencer? Ok, prends l'exemple de ce type qui venait d'être... Alors, si tu veux dire que les garçons et elles sont c'est... C'est très simple, en disant que la tête du garçon est du beans. Tu veux dire guy que les garçons... Guy Bambos. Il vous fait la bouche comme ça. Gambis. Beans. Tu fais ça dedans. Beans. Beans. Gambis. Et je voulais dire quelque chose. Oblo. Ok. Oblo. 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 C'est ça. J'ai réussi. Oblo. Étonnant. Ok, ça veut dire quoi? Étonnant, c'est la joie d'exclamation. Exclamation. C'est comme juste là, on t'appelle Zina. Tu as déjà 1 million de naira. As-tu déjà eu 1 million? Non. Tu dois t'étonner. Ok. Oblo. Étonnant. Chief, hein? Ça c'est mon frère. Il ne causera pas de problème dans ce village. Je vous assure, s'il vous plaît, si quelque chose arrive, j'en serai le responsable. Salut. Salut-le. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. S'il vous plaît, ça ne causera aucun problème, je vous rassure. Oh, tu es sûr? Oui. Je ne suis pas sûr. Bien sûr, messieurs. Elle est ma cousine. Il n'y a pas de problème. J'ai apprécié. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. 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 Nous sommes partis maintenant. Je m'appelle Chief Michael Bodo. Chief Michael Bodo. Ok, ok, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je t'ai cherché partout. C'est à moi que tu parles bien cette arme. C'est toi, non, je t'ai beaucoup cherché. Je ne comprends pas. Tu me dis que tu t'appelles Welt. Oui, c'est ça mon nom, mais je ne sais pas ce que tu as ajouté encore. Welt dans ma langue, ça veut dire un coup. Hein? Oh, d'accord, je t'ai compris. Mais ne t'inquiète pas. Si tu veux savoir, la signification de notre nom signifie effet. Effet? Effet. 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 C'est ça, bébé. C'est ça. C'est vraiment ça. Dis-moi d'abord, où étais-tu? Tu m'avais beaucoup inquiété. Désolé, pas de problème. Je m'étais dirigé de l'autre côté pour étudier les milliers. Je préfère bien cet endroit. Désolé, tu parles très rapidement. Ok, bébé. Attends que j'essaie de parler lentement. Alors. J'ai essayé de dire tout simplement que depuis que je suis là, je ne fais aucun travail, mon corps est habitué à faire le travail, alors c'est pourquoi il faut peut-être me déplacer pour faire autre chose. On fait toujours le bavardage des choses inutiles. Alors, j'ai cru que ce serait mieux d'aller faire la pêche. Non, tu ne sauras pas faire la pêche. Je suis la seule personne qui peut le faire ici. C'est moi qui sais le faire. Sois calme. Qu'est-ce que toi tu connais concernant la pêche? Seulement les petits poissons là que tu as toujours attrapés. Les petits poissons là que les enfants attrapent pour s'amuser, c'est ce que toi tu appelles poisson. Écoute, oublie cette histoire. C'est mon travail. Je ne blague pas. C'est ça le travail qui se pratique dans mon village. Un enfant d'une année sait comment attraper les poissons. Il commence par attraper les petits poissons.
C'est quoi au Souvent, coup? Les enfants attrapent les tout petits poissons. Avec le temps, quand il grandit, il va entrer dans l'eau profonde et douce, chercher comment attraper les gros poissons au moyen d'un filet. Écoute, si je trouve la sirène dans cette eau, je vais l'attraper. Ne t'en fais pas, je vais t'enseigner comment capturer les poissons. Je vais t'enseigner. Tu es très intelligent. Tu dois être un ingénieur bien un docteur. Qu'est-ce que c'est? J'ai du mal à te répondre. Cette question me fait presque couler les larmes. Mais... Désolé. Pas de problème, pas de problème. Vraiment, je vois que tu as mon souci et tu me portes au cœur. Mais ce que je peux te dire, tu es courageuse. Écoute, quand je suis venu dans ce village, tout ce que nous avions parlé, capturer les poissons et autre chose, m'intéresse beaucoup. Quelque part, je me dis qu'au lieu d'attendre que ça vienne de soi-même, c'est moi qui dois y aller en premier lieu. Que je bouge un peu vers les choses pour voir comment ça va se passer. Je vais t'amener à l'école. Écoute, dans ma tête, je raisonne seulement les études. Tout celui qui m'approche, nous parlons seulement concernant les études. Les études sont bonnes. Je vais aller à l'école. Bien sûr, tu vas aller à l'école. Tu ne le crois pas? Je crois, je le crois. Écoute, il faut toujours regarder les sommets. Tu dois penser loin. Why not? Why not? Why not?
Les téléphones sonnent. Allô? Maëfé. Merci, mon fils. Ma santé, c'est pas tellement bien. Et ta santé alors? Efe, comment tu vas? Hein? Allô? Maëfé? Allô? Regarde un peu ses numéros, il a coupé. Rappelle. Maman, son téléphone ne passe plus. Son téléphone ne passe pas. Excusez-moi. Bonjour, maman. Eh, ma chère, comment tu vas? Je vais bien, merci, maman. Okay. Merci. Excusez, maman. Je cherche Efe. Je ne sais pas s'il habite dans cette partie. Maman Efe, Tubori. Oui, c'est son nom. C'est son nom. Oui, il habite ici. Ok. Maman, s'il vous plaît, est-ce qu'il est là ou il n'est pas là? Mais ma chère, je ne te connais pas. La vérité est que ça fait des années maintenant qu'il ne vit plus avec nous. Et à chaque fois où il nous appelle, son téléphone, quand tu le rappelles, ça passe pas. C'est toujours comme ça. Mon nom c'est Camille. S'il vous plaît, je vais pas voir ses numéros. Je viens de te dire maintenant que je te connais pas, non? Je ne peux pas donner le numéro de quelqu'un comme ça, c'est madame, moi. Je suis une jeune dame et j'essaie d'aider tous ceux-là qui ont des problèmes sérieux pour le moment. J'essaie de les aider. Alors ne vous inquiétez pas, donnez-moi ce... Ces garçons innocents, c'est ça? Exactement. Si c'était quelque chose de mauvais, ça allait mal tourner. Je te donnais le numéro. Merci beaucoup. Ne me remercie pas, ne me remercie pas, ma chérie. Tel que tu me vois ici, hein, je ne suis pas mauvais. Je n'encourage pas les mauvaises choses. Je me mets à la place de cette femme qui s'inquiète. Je n'encourage pas les enfants quand ils font quelque chose de mal. Je ne peux enseigner mes enfants d'une mauvaise façon. Ce qui est mauvais est mauvais. La vie, c'est comme ça. S'il vous plaît, madame, laissez-moi votre numéro comme ça. Je vais vous rappeler moi-même. Bien sûr, bien sûr. Ne t'inquiète pas. Attends, je vais les chercher. Ne t'inquiète pas. Attends, je vais trouver le nom. D'accord, c'est ça. C'est ça, tu peux... Oya, va prendre ton téléphone et donne-lui les numéros. L'avocate, merci. Merci, merci beaucoup, maman. Papa est fait. Maître avocate. Elle a dit qu'elle est venue parce qu'on a besoin d'avoir le numéro des effets. Et ça ne passe pas. Et moi, j'expliquais pour Efe. Efe, on se parle quand il appelle. Si vous rappelez, le numéro ne passe pas. Et elle a demandé qu'on la lui donne le numéro. Et j'ai eu pitié. J'ai ça m'a donné. Et moi, je lui ai dit que nous n'encourageons pas les mal des enfants.
l'enfant d'autrui qui n'a rien fait. Hein? Maintenant, il est cloué là-bas en prison. Hein? Ma chérie, laisse d'abord ça. Pensons à autre chose. Quand on va finir, on va revenir à ça. C'est quel problème? Donne-moi d'abord ce qui m'est dû. On va y penser après. Qu'est-ce qui t'est dit? Oh, je te jure. Donne-moi ma chose. Viens. Ah! Ne me touche pas! Enlève ta main sur mon corps! C'est quoi ça? Si ton corps veut arroser, on t'a dit que moi j'ai besoin d'être arrosé. Non, mais c'est mon droit, non? Je demande mon droit. Parmi les choses dont j'ai besoin dans ce couple, il y a aussi ça, non? S'il te plaît, viens. Ah, bègue, laisse-moi. Laisse-moi. C'est quoi ton problème? Je n'ai pas envie de parler. Le numéro que vous appelez ne décroche pas où? Ça sera disponible. Ça ouais. Sonne pas. Je vais essayer encore. Ah ben, ça ne sonne même pas. Je vais essayer, ne t'en fais pas. C'est vrai que tu es en train de faire là. Ah, laisse-moi. Respecte-toi. Ne me provoque pas. À cette heure. Sinon, si je me fâchais, tu n'aimerais pas ce que je vais faire. Ça, c'est quoi ça? Ah, mais pourquoi tu veux me faire comme ça? Regarde. Regarde quoi? Regarde mon corps. Pardon, arrête tout ça. Mais là, comment je vais faire, si tu as maintenant le corps dit, fais-moi. Ah, bégabégabég, je ne vais pas te mâcher. Ça, c'est quoi ça? Ah, laisse-moi. Maman, les choses étranges m'arrivent depuis que je me suis mariée à Georges. Comment? Qu'est-ce qui est étrange? Maman, peux-tu imaginer que j'ai perdu 3 grossesses, l'un parmi eux à 7 mois, depuis que je me suis mariée à John? Ah, si c'est comme ça, ma fille, je ne sais quoi dire. Et je suis sûre, omotée, et derrière tout ça. Maman, s'il te plaît. Mais cette femme en dehors de ce problème. Hein? Je n'arrive pas à comprendre l'homme que j'appelle mon mari. Peux-tu imaginer que à chaque fois que je suis dans mes périodes, il m'interdit de s'approcher de lui jusqu'à ce que ça va prendre fin. Merde. Maintenant, tu veux me dire que c'est Georges qui est le méchant. Hein? De toutes les façons, je ne sais pas quoi dire. Mais pour ce qui me concerne, je suis vraiment convaincue que Georges, c'est un bon gars. Regarde-moi de la tête aux pieds. Tout ce qui est tout autour de moi, c'est Georges qui l'a fait. Je sais même pas ce que je peux dire d'autre. Mais, pour moi, je dirais, Georges, c'est un bon gars. Oui, beau pépisco, tu es très douce. Oh, tu vois, hein? Oui. Tu es la meilleure fille que j'ai rencontrée. Regarde, qu'est-ce que tu veux faire? Commande tout ce que tu veux. Hein? La sauce pimentée. Où est la sauce pimentée? Ok, ils vont te l'apporter. Tu connais cette chose qu'on appelle mouette? Ouais, mouette. Si tu en veux, commande seulement. Et c'est la crème irlandaise, commande. Je suis l'ambassadeur de cet endroit. Est-ce que tu m'entends? Ma belle reine. Hey, tu es tellement mignonne. Ouh, ne va même pas là-bas. Ne va même pas là-bas. Oh, mon Dieu, oh, tu m'as tué. Toute fille qui peut concurrencer ma femme peut concurrencer tout le monde. Le problème pour toi, c'est juste... C'est juste d'accepter ce que je te demande. Oh. Et alors, je vais te léguer toute ma propriété et faire de toi l'héritière. Sérieux? Fais notre chemin. Arrête ce que tu fais. Que ton père être ton père. Oh mon Dieu. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Viens, est-ce que tu veux quitter ici maintenant? Pour que tu continues tes ambiances avec cette fille sale. Toi, avant que je ferme mes yeux et l'ouvrir. Qui t'est place? Ma chérie, ne t'en fais pas, ok? On va se voir après, part. Tu as mon numéro, n'est-ce pas? Oui. Part, on va se voir. Mais tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Ah, je t'aime beaucoup. Papa! Ah! Et toi, à la prochaine fois, je te vois encore avec mon père. Je vais en finir avec toi. C'est bon. Tu es une imbécile. C'est bon, arrêtez de vous disperser. C'est quoi le problème? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi les problèmes? Tu es folle?
Regardez juste cette magnifique fille. Cette fille qui a des formes et des courbes avec qui j'étais en train de parler. Hein? Regardez, c'est vraiment du pépisco. Dès que je serai riche, je donnerai aux musiciens de l'argent pour qu'ils puissent la chanter car elle est très très belle. Moi, je ne suis pas comme votre vagabond de frère qui fait des bêtises. C'est quoi le problème avec vous, un peu? Papa, tu dois te réveiller. Je ne dors pas. Je ne dors pas. En bref, je souviens te dire que le bailleur a besoin d'argent. Il est à la maison, il te cherche. Viens vite. Oh, tu dis quoi? Rentre à la maison. Je disais, venez à la maison, il vous attend à la maison. Eh, donc je suis devenu fou. Après tout ce que je fais. Eh, ça c'est bien, c'est intéressant. Bavri. Tu avais dit que tu auras l'argent, tu vas me donner. Et cet argent, c'est parti où? Lydia. Donc, tu es en train de dire que quand on va me payer, que je puisse venir avec tout l'argent pour te donner. Tout ce que je sais, c'est que quand on va payer, je n'ai pas besoin de te l'amener. Je veux voir ce que je vais en faire, tu comprends? Mais là, dès lors, je crois que j'ai un bon plan pour ça. C'est quoi les bons plans en question? Numéro 1. Je me prépare à épouser une belle jeune fille. Une vierge qui n'a jamais vu un garçon nu avant. Hein? Je me sentirai bien à chaque fois que je serai en train de faire avec elle l'amour. Hey! Les gens pauvres ont toujours des calculs qui ne réussissent pas. Différents des riches. Tu n'as jamais vu les bêtises sous tes yeux. Les gens pauvres pensent même à ceux qui ne peuvent pas penser. Tu peux imaginer. Il n'a pas encore eu cet argent, mais il rêve déjà d'épouser une fille vierge. Une fille vierge. Moi qui suis ici, qu'est-ce que tu fais de moi? Et tu dis que si tu as eu l'argent, tu iras te marier. Toi qui n'arrives même pas à prendre soin de tes enfants. Toi qui n'arrives même pas à nourrir les gens avec de bons poissons là. Tu rêves d'avoir les poches remplies, désolé. C'est ton problème. Papa, hein? Je trouve que si cet argent arrive, donne à maman qu'elle garde pour toi. Si c'était une pièce, elle était lapidée. Hein? Et c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux faire? Laisse mon enfant. Ce qu'elle t'a dit là, c'est vrai. Oh. Donne-moi l'argent, je vais faire les affaires et je vais gérer ça. L'argent que tu n'as pas encore saisi et tu fais des calculs pour te marier, c'est ça? Ma chérie... La position que tu dois prendre est de s'agenouiller pour que tu puisses m'adorer quand l'argent va venir. C'est la seule chose qui fait en sorte que je te la donne. Alors sinon, je vais me fâcher, je te donne aujourd'hui là, une femme qui ne mange pas bien, et toi tu ne fais rien pour elle. Tu feras quoi à qui là? Va prendre ta vierge, comme ça elle viendra faire les poissons pour toi, non? Bien. Quelqu'un m'aidait à passer l'autre rive de Cambia. 3 semaines maintenant. Tonga, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Oui, bien. Il dit qu'il vient ici pour vendre du poisson et retourne quelque part où même Dieu ne le sait. Tu me dis qu'il sait ce qu'il a dit. Ok, merci. Je ne t'ai pas de problème. Oublie tout ce qui s'est passé, ma belle, belle, chérie, belle. Chérie. Je suis un peu désolé de ce que ma fille avait fait la fois passée, hein. N'est qu'une folle, ne te fâche pas. Écoute, je ne pense pas que je me suis préparé pour ça. Et si ta femme me voyait à toi? Oublie tout ceci, hein, c'est pas normal. Tu regardes, hein, ma femme ne se promène pas n'importe comment. Elle est vraiment une femme disciplinée. Elle ne se promène pas n'importe comment, je lui crois. Je ne fais pas de problème. Oublie ça. Oublie. C'est comme ça. Hey! J'étais voleuse. Aujourd'hui, hein, tu sauras quel genre de personne que je suis. Toi là. Qu'est-ce ici? Qu'est-ce ici? Qu'est-ce ici? Tu n'as pas honte de prendre un vieux homme comme ça qui est déjà un produit fini. Sa fille devait être ici, elle allait te suivre. Hein? Moi, je souffre là-bas, je suis seule.
Et tu dis que tu n'as pas d'argent, oh, tu es derrière les femmes. Tu es derrière les femmes. Apaise-toi. Hein? Apaise-toi. Toi, c'est qui? Toi, t'es qui? Je vais te montrer. Attends, tu verras. Toi, tu verras ce que je vais te faire aujourd'hui. Hein? Je vais. J'arrête ta peau aujourd'hui. Je vais te tuer aujourd'hui. Regarde. Je connais ce visage. C'est notre monsieur. C'est le pêcheur. Et tu connais le pêcheur, non? C'est notre gars. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il n'y a pas de problème. J'aimerais qu'il puisse fournir à mon hôtel du poisson pour les provisions. Dites-lui que j'étais là. C'est pour les affaires. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. C'est notre garçon. Il vient régulièrement. Comment faire pour te contacter s'il est là? Comme je le disais, dites-lui que je viendrai encore. Ok, ne t'en fais pas. Hein? D'accord. Ne t'en fais pas, je vais t'appeler, hein, mon cher. Il ne veut pas le voir pour d'autres affaires, vraiment. Nous aussi, on peut lui envoyer des poissons, non? Mon cher, calme-toi. Mon cher, cette fille-là, si c'était pour le poisson, on pouvait lui donner le poisson, non? Pourquoi seulement le garçon? Mon cher ami, c'est vraiment ça. Si c'était vraiment pour le poisson, on lui aurait donné le poisson, non? Mais pourquoi seulement le garçon? Non, ne t'en fais pas. Ce n'est pas notre affaire, hein? On va lui prévoir le poisson. Mon cher, je vous dis, tu penses que c'est seulement pour le poisson? Il y a quelque chose là-bas, pas vrai? Bon, on verra. Oui, il y a quelqu'un qui te cherche. Ça peut être qui? Elle a dit qu'elle voudrait vraiment une bonne livraison de poissons, non? Je les vends ici. Je ne parle pas en ville. Je comprends rien. Regarde, laisse-moi te dire. Devine quelque chose, s'il te plaît. Tu as fait quelque chose, alors... Fouille. Il faut fuir. Ça s'annonce très mal, utilise ta tête. Nous t'avons prévenu, vas-y. Fais quelque chose, d'accord? Écoute, laisse-moi te dire. Si tu dis que tu ne vas pas faire ce qu'on te demande, tu nous vois? Nous n'allons pas te protéger, personne n'a le temps de te protéger, tu es grand, comprends? Hey! La personne en question, si elle est intéressée, nous pouvons faire les affaires maintenant là. Mais je ne pars pas en ville. Tu as maintenant changé d'avis, hein? Alors dans ce cas, je vais l'appeler, comme ça elle viendra, vous allez faire l'affaire. Mais de toutes les façons, sois sage. Je lui ai déjà parlé, hein? Je ne sais pas ce qu'il est en train de dire, tu vois un peu? N'est-ce pas mon cher? Évidemment. Je dois dire, je suis impressionnée par son intelligence. Mais j'ai vraiment besoin de somme supplémentaire. Je vais revenir. L'intelligence fait du bon business. Regarde, ce qu'on va faire maintenant, c'est... On doit chercher à les retrouver, n'est-ce pas? Je pense qu'il sera mieux qu'on puisse les retrouver pour cette dame. Mais ce que toi, tu dois faire, c'est ceci, hein? Tu vas venir très tôt matin pour le voir afin qu'il te fournisse le poisson. Parce que nous avons beaucoup de clients pour la ville là-bas à qui nous livrons de poissons. Je ne joue pas avec les affaires.
J'aime les affaires. Merveilleuse. Regarde-la marcher. Tu vois cette fille. Elle a beaucoup d'argent. Elle a l'argent là-bas. Regarde beaucoup. Je te dis, vraiment. Avec tout cet argent, elle ne pouvait pas acheter le poisson chez nous. Tu trouves pas que juste à cause de la petite dire, il a apporté beaucoup d'argent comme ça. Ah, va-t'en là-bas. Qu'est-ce que tu penses? C'est de l'argent qu'on doit dépenser. C'est quoi le problème? Mes chers, les problèmes des affaires ne nous concernent pas. Ce qui est important, partageons de l'argent. Hein? Prends ta part. Oh, merci. Merci. Allez, allez, allez. On a eu de l'argent gratuitement. Je te jure. Oui, oui, c'était merveilleux. Il y a quelqu'un ici? Allô? Oh, s'il te plaît, j'arrive. Ichi, maman, comment vas-tu? Qui es-tu? Ne t'en fais pas. Je suis venu chercher mon ami. Ton ami? Oui. Qui, s'il te plaît? Ah, désolé, le pêcheur. Je ne comprends pas, il y a plus de 100 pêcheurs dans ce village. Pourquoi viens-tu chercher un ici? Mais la maison est celle-ci. Pourquoi n'est pas en train d'entrer pour voir s'il est là, n'est-ce pas? Non, reviens, reviens. C'est comment ta tête? Laisse un peu. Désolé. On ne voulait pas vraiment te foncer, d'accord? On est des amis. On veut juste le voir, d'accord? S'il te plaît. On se voit depuis longtemps. C'est juste qu'on est des amis. On est venu le chercher. Il n'y a pas de problème. Oui. Quand tu viendras, dites-lui qu'on était passé le chercher. Venir que nous étions venus le chercher. Il faut lui dire que le grand prêtre était venu le chercher. Il va comprendre. De l'autre côté. Oh, mon ami, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas ici? J'ai juste vu des jeunes hommes sortis de votre parcelle. Je ne crois pas qu'il y ait un problème. Ils sont venus chercher quelqu'un ici. Ton frère, il paraît. Non, pourquoi ils vont chercher mon frère? Ma chère, tu es la seule dans ce village. Qui ne connaît pas qui est ton frère? Ton frère là est un grand pêcheur ici. Même le chief va tester cela. Eh! Écoute, quand il va revenir, dis-lui que j'ai besoin de le voir. Mon frère n'est pas à la maison. Ah, ok. Dis-lui que j'aurai besoin de lui. Mon frère. Bonsoir. Pourquoi ce grand retard? Désolé d'être en retard. J'essaie d'éviter certaines personnes venant me chercher. Éviter quelques personnes? Pourquoi? Ils étaient venus m'appeler pour aller les vendre le poisson. Mais mon esprit n'a pas accepté. Ils étaient ici. Tu es sérieuse? Attends, nous parlons ici de même personne, je comprends. Mais
Je leur ai dit que je vis seule. Mais si tu n'es pas confortable avec, pourquoi ne pas remettre ça et chercher un autre avec lequel tu peux pêcher? J'ai le plan d'acheter un nouveau pirogue. J'utilise d'abord les leurs à l'instant. Je ne pense pas que c'est une bonne idée d'aller en ville. S'ils étaient vrais avec leurs affaires, ils devraient venir les faire là où j'étais. Oui, je suis avec toi. Je suis désolé pour ça, ok? C'est bon. Il n'y a pas de problème. Izina. Oui? J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Qu'est-ce que c'est? J'ai déjà l'argent pour ton examen. Quoi? Ah, mon Dieu! Attends, pourquoi tu danses comme une sirène? Quel genre de danse comme ça? Non, c'est notre danse d'ici. Viens, apprends avec moi. Allez, fais ça. Vas-y. Vas-y, viens. Comme ça. Ok. Comme ça. Dis. Mon Dieu, merci beaucoup, mon frère. Merci, ça me fait trop au cœur. Oh mon Dieu. Chérie, pourquoi est-ce que tes membres de famille ainsi que le mien ne viennent jamais nous visiter? Comment tu peux dire quelque chose comme ça? Les portes sont ouvertes pour que tout le monde puisse venir, hein? Bien sûr, tu sais que je suis un homme généreux. À ta famille ainsi qu'à ma famille, tout le monde est libre de venir ici. Ce n'est pas que je suis en train de fermer les portes pour que les gens ne viennent pas chez moi. Donc tu es en train de dire qu'ils peuvent nous visiter à tout moment? Bien sûr que oui. Waouh, ça c'est bien. Ok, merci. Oh, chérie. Qu'est-ce que c'est, non? J'ai une question à te demander. C'est quoi donc? Et alors pour la chambre qui se trouve là en bas? Non, arrête, c'est bon, arrête. La chambre en bas des étages contient mes documents de mon établissement et toutes les transactions que j'ai fait avec mes clients. Je veux pas que quelqu'un puisse aller là-bas pour chercher quoi que ce soit. Est-ce que je suis clair, d'accord? Ok, ok, pas de problème. Oh chérie, calme-toi. Alors tu as vraiment intérêt? Officier, mon mari est un ritualiste. Oui. Madame, calme-toi. Il se peut que je sois en train d'halluciner. Est-ce que tu es sérieuse avec ce que tu dis? Officier, je suis très sûre de ce que je vous raconte. Je connais très bien mon mari. Il y a une chambre particulière dans notre maison dans laquelle il n'aime pas que je puisse entrer. Surtout, il ne me permet pas d'y entrer. Quoi? Oui. Alors, j'avais planifié d'entrer dans cette chambre. Et lorsque j'étais entrée, j'avais vu quelque chose comme un hôtel. Altar? Oui, avec les vêtements rouges. Oui, je vis certaines choses. J'avais vu des choses comme des cornes. Je savais pas comment bien regarder pour détailler, vous voyez? Es-tu sûr? Officier, je suis sûr de ce que j'ai vu dans mes propres yeux. Où est ton mari maintenant? Officier, il est parti au bureau. Mais je suggère que vous veniez avec moi à la maison. Comme ça, je vais vous montrer la chambre en question. C'est bon, c'est bon. Allons-y. Ok. D'accord, on part. Mmh.
Je t'attendais juste. Je peux avoir ma surprise? Non, je suis vraiment occupé pour aujourd'hui. Mais je suis désolé, je ne cause pas avec toi beaucoup aujourd'hui. Tu peux venir après. Ça, c'est la fin de la course pour vous, monsieur. Vous êtes sous arrestation pour la tentative de meurtre contre M. Jaja Kole. Tu avais permis que ton meilleur ami parte en prison en vain. Et maintenant que la vérité est révélée, tu vas payer. Partons d'ici! Vite! Ma sœur, c'est comme ça que j'avais commencé l'école. Je suis très heureuse pour toi. Je suis tellement heureuse pour toi. Je suis très contente. Mais s'il te plaît, quand tu seras de retour, dis-lui que je suis amoureuse de lui. Oh. Dis-lui ça. Je sais que j'aime beaucoup les hommes. Ne me déçois pas, s'il te plaît. Dis-lui que je suis amoureuse de lui. Dis-lui pardon. Pas de problème, je le ferai. Merci beaucoup. Merci, d'accord. D'accord, bye. Je te verrai après. Prends bien soin de toi. D'accord, bye. Tu viens chercher mon frère et tu fais semblant de comme si rien n'était. N'importe quoi. Mais chérie, ma chérie, il y a des gens qui sont venus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut fuir. Jeune fille. Quoi? Où est-il? Si tu ne dis pas où il est, alors toi tu vas les remplacer maintenant. Dis-nous maintenant, où est-il? Dis-nous maintenant. Je ne sais pas. Ferme ta piste de bouche. Dis-nous la vérité. Où est les garçons? Les garçons sont où? Personne ne fout ici. Toi, prends-la de l'autre côté de la rivière, maintenant. Pourquoi? Non, vas-y, vite, il faut fouiller. Allons-y, ne recule plus. Avance très rapidement, avance.
Maintenant, la suspecte est fait qui est responsable de la mort de cette mère d'un enfant et qui gagne de l'argent sale au Nigeria. Elle était arrêtée justement près d'un village au Cameroun par la main de la police. Et elle est ramenée pour un jugement au Nigeria pour un habit dans le pays. Un samaritaine qui la regardait de loin la vie l'a fait échapper de la main de la police et la police est à sa recherche. C'est lui ou celle qui aura une information à propos d'elle doit rapidement contacter la police. Je suis une reporteuse de Sky News. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Maman, pourquoi vous êtes comme ça? Comment ça va? Je vais bien. Maman, ne vous en faites pas. Tout se passera bien. D'accord, maman? Je crois en Dieu. Voilà pourquoi je suis comme ça. Tout se passera bien, maman. Ne vous en faites pas. Non, je ne pleure pas. Pleurer? Non, non, je ne pleure pas. Je ne vais pas pleurer. Effé! Maman. Maman. Effé! Maman. Effé! Hey! C'est à moi, non? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Hein? Qu'est-ce que moi, je fais? Maman. Ouais.
Autant vous croyez à Dieu, moi aussi, je fais de même. Hein? Je crois en Dieu. Tout sera, tout se passera bien, pardon. Hein? Ces derniers temps, je crois en Dieu. Je suis tes larmes, mon maman. Maman, vous avez une question pour toi. Maître avocate, fais pas ça, non? Maman, hein? J'ai une surprise pour toi. Maman, regarde. Yeah? Yeah? Efe! 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 Oh! Efe! Efe! Mon fils! Oh! Mon fils! Eh! Efe! Efe! Attends! Attends! Efe! Passe! Passe! Passe là-dessus! Eh! Efe! Oh mon Dieu! Mon Dieu, je te remercie! Je te remercie toujours, mon Dieu! Parce que tu es fidèle! Oh! Hey! Efe! Efe! Maman! Hey! Hey! Yalale! Oh, c'est mon fils! Madame! Il a bénéficié de... d'une grâce présidentielle. Après que nous ayons constaté que le tir n'avait pas atteint la cible. Ce n'est pas fini, maman. Le monsieur en question, monsieur Georges, il est toujours en vie. Hein? Oui. Hé! Hey! Tu m'as d'abord laissé aller en prison avant que tu ne viennes. Désolé. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Oh! Merci. Oh! Voilà. Do, 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 do.